vous, vous êtes supporter, que vous disiez des conneries, c'est normal, vous êtes supporter. Ah, salut les tristes, on se retrouve sur notre bon plateau du mini-foot en compagnie du 7, le Jean Capré, le président de l'association Stadion Saint-Louis-Val, et Marat Bellu. Il y a du monde en tribune, mais il y en a moins sur le plateau. Eh ben, un est au Damien, au Bar Corsica. Il y a du retard, il paraît qu'il y a l'embouteillage, on entend de Jérine à la mairie de Bigouille, et Jean-Étienne qui finit l'entraînement. Il est où Jean-Étienne? Il a son entraînement futsal avec Fourian, il va arriver en cours d'émission. Donc, on démarre comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'on nous entend? Alors, voilà. Oui. Alors, tout va bien. Tout le monde entend. Tout le monde entend. Désolé pour le petit retard, hein. Et des petits problèmes de gestion technique, comme d'habitude, mais on s'excuse. Mais ça vaut le coup d'attendre. Oui, voilà. On va faire l'émission comme il se doit. Alors, on va commencer un peu avec les petites mauvaises nouvelles, avant l'invité. Oh là là. La petite banderole qui a fait quand même, j'étais obligé de passer quand même par rapport à ça. Cahuzac, Traidor, Rémi Fournel. Non, c'était bon, on n'en a pas parlé. Non, le match n'avait pas eu lieu quand on avait parlé de ça. Là, elle a fait un peu polémique. Elle n'en avait pas parlé, Anthony. Non. Ah bon, ouais. Ça a fait un peu polémique. Capri, tu me regardes avec des yeux, tu as l'air. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, ça t'a choqué un peu ou pas? Moi, je ne suis pas fan. Moi, personnellement, je lui en veux par rapport à l'orientation de l'OGC Nice. Je suis pas fan de lancer les noms en pâture comme ça, mais ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. C'est bien dit, c'est ils dit. Ils sont aussi légitimes que n'importe quel veut, donc... Bon, il y en a qui ont été choqués, hein, pas tout le monde. On a le droit, après, c'est le foot, il y a des débats, on peut être d'accord, pas d'accord. Je pense que ça va trop loin. Ça a été trop loin. Le problème, c'est que quand tu t'exprimes sur ce sujet, si tu fais demande de rôle, tu peux pas dire méchant, Cahuzac méchant. Non, mais moi je voyais plus à tout de Magagno. Voilà, moins méchant. Enfin, là c'est quand même dur. C'est compliqué si tu lances un nom. Moi j'ai discuté un peu avec des gens. Ils m'ont dit, ouais, mais tu comprends l'interview qu'il fait. D'après, oui. Oui, après j'ai dit aux idées, il a quand même des enfants qui ont été choqués. Hein. Moi, ces gosses ont été hyper choqués de voir leur nom comme ça. Ouais, c'est le nom, hein. c'est dur. Ouais, ça va loin, ça va loin. Après, comme je dis, ils ont le droit de s'exprimer, mais ça va loin. Oui, non, mais après. Après, je pense que Pierrot. Après, je vais te dire, il y a des joueurs corses qui seraient partis, qui auraient fait des trucs comme ça, ils n'auraient pas eu de banderole. Moi, je ne vois pas Pierrot Banco d'avoir une banderole comme ça s'il va à Nice. Hein. Bon, il n'aurait peut-être pas été lui, hein, je veux dire. Mais, tu vois, je veux dire, c'est. Non, on revient du pourquoi de la banderole. Il s'est très mal défendu encore ce matin. C'est très mal défendu. Ouais, quand c'est dit, le match, j'étais pas. Donc, il descend de frapper. Donc même son ami intime Jean-Luc ils sont descendus le frapper ou C'est maladroit, c'est beaucoup maladroit. Bon, c'est une histoire qui allait trop loin. Je me dis que ça va trop loin, mais ils sont descendus les frapper ou pas les... Je sais même pas, Tu t'en souviens pas, quand tu as le truc de la bandière qui... Je me souviens la troupe, tu vois, je vois Romaric. Donc on a des copains qui se font frapper, j'y suis pas, c'est pas grave. Non, il était pas. Et tu dis, j'y suis pas, c'est pas grave. Mais alors du coup... Non mais attends, non mais... Je sais pas, moi je l'assume. Non mais il y a un mec qui s'est fait frapper. Ah mais tu y vas, bien sûr que tu y vas. Non, et si tu y es pas, tu vas dire que le mec... Non mais tu es quand même mon ami. Lui veut dire que KU, comme il jouait pas ce match, il s'est défendu en disant oui mais moi j'étais pas. J'étais pas. Attends, tu peux pas dire ça. C'est maladroit de A à Z, de toute façon tout ça c'est maladroit. Je pense qu'il faut oublier, mais là on en parle pour le truc. Il y avait la banderole il y a 8 ans. Mais moi, on aurait plus dû en parler là. Hein. Non, mais c'est un truc rapide. Ça a fait la polémique sur les réseaux. Je regardais, il y avait celle d'il y a 8 ans. Il y a 8 ans, mieux que des anciennes stars, des Cahuzac. Voilà, bon. C'est amour et haine. C'est justement c'est ça ici, c'est compliqué par rapport à ça. Tu peux être à fond. Je pense qu'il y a de la haine parce qu'il a été aimé. Il y a de la haine parce qu'il a été aimé. Oui, voilà. Après. Ça va quand même trop loin, je veux dire. Il n'y a jamais une personne qui a une bonne rôle comme ça, Fourier. Non, mais bon, après, c'est leur. Personne n'a aussi de l'exprimer leur. Enfin, pour voilà, c'est des gens qui sont morts pour pouvoir s'exprimer, ils ont le droit de s'exprimer. Bah allez, règle des cartons aussi, notre ami Ducrot qui ne sera pas de la partie. Il y a mauvaise nouvelle, 3 cartons, hein, c'est un des pistés, loin, on dira. Pour le match de Grenoble. Eh ouais, 3 cartons. Et Vincent aussi maintenant. Et Placide, on ne sait pas encore Placide. Il aura droit aussi. Mais Vincent, ça fait 3 avec Vincent. Vincent a 3. Ça fait 3 joueurs, Placide, Vincent Ducrot. Tu es au milieu de terrain, tu es un peu emmerdé, quoi. Ouais, ça va être compliqué. Bon, juste au milieu de terrain, on va accueillir notre invité, Julien Maggiotti. Bonsoir à tous. On est content. Combien de fois dans les émissions du Mercato on disait Julien Maggiotti? Julien, passé pour des fous, des Mongols. Chaque fois. On en a entendu parler. N'arrêtez pas. Non, c'est même, tu as fait le marquage à la culotte et toi aussi, Anthony, cette année, pour qu'ils viennent sur les réseaux. En avril, on a dit ici.
Ouais. Ça fait le marquage et puis nous, tous les ans, à chaque fois, on ravachait le nom. Hein. Chaque fois qu'il y avait un mercato d'hiver et d'été, on lâchait le nom. Hein. Mais on y est arrivé, ça y est, on est content. Hein. On est content de t'avoir là, mais nous en plus. Hein. Bon, et je regarde un peu l'affiche. Hein. Bientôt son anniversaire, le 9 septembre. C'est ça. On va voir, du coup, ça te fait 28 ans. Bon. 28 ans, c'est beau. Hein. Né à Bastia, hein, tu es né là, toi. C'est ça. Ouais, né à Bastia. Et 80 matchs, hein, j'ai compté, hein, 80 matchs en pro pour l'instant. Hein. Tiens tous les 100. C'est pas mal. Ouais, 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 écoute, pour 28 ans, il démarre à 28 dans le. Enfin, 28. À 27 ans, 26 ans, 27 ans, c'est beau, hein, déjà 80. Hein. Faut continuer. On fêtera les 100, on fêtera. Hein. Bon, on va faire une petite interview maillot dans la peau. Allez, comme quand tu portes un maillot, tu es toujours à fond. On va faire un petit truc sympa. Avec le premier maillot, hein, je l'ai le Gallia. Hein. Tu vois, tu l'as porté pendant des années. Hein, c'est. Ah, c'est au club de cœur, le Gallia Football Club, tu es formé là-bas en fait. J'ai joué 23-24 ans là-bas. Jamais de centre de formation, tu n'as jamais fait le centre. J'ai fait le pôle espoir à Ajaccio 2 ans, mais en restant toujours en évoluant toujours au Gallia Luchana le week-end. Bon, on a la belle photo, bon, là tu pèses combien là? Là aujourd'hui. Sur cette photo c'est là, parce que c'est là, elle, bon, hein, elle est impressionnante, là, j'étais en N3 là. Ouais. Et là, c'est... je devais être à 101-102. Ouais. Tu imagines, et là tu es tombé à 86. C'est impressionnant hein. Là, tu es niveau Ligue 2 anglaise, à Paris. Non, mais c'est un bel... Les Anglais, ils étaient comme ça. Même en D4, je pense. Là, c'est un très bel exemple pour les jeunes. C'est pas parce que tu passes pas par un centre que c'est tes chances, tes rêves de finir un jour en pro sont terminés. Quoi. Ça, ce sont les costards-cravates du football qui ont décidé ça. Mais bon, moi, c'est pour ça que j'adore les exemples comme ça pour les jeunes, hein, que ce soit les petits clubs comme la Pieve et le CB, l'FGEB, tout ça. C'est magnifique, hein, ouais. Et le Gallia d'ailleurs, hein. D'ailleurs on n'en parle pas assez parce que c'est beau hein, même pour eux. Hein. Ouais, non, c'est vrai, chaque année quand même, ça fait 3-4 ans que ça soit Sofiane Bell, Amine Boutra qui passe par le Gallia et qui arrive à sauter 2-3 échelons directs, donc c'est pas mal. C'est énorme. Ah non, moi c'est beau. Il y a un grand entraîneur aussi, le Gallia. Hein. Il y a un grand entraîneur aussi. Qui est l'entraîneur? Tchouki Gorlidja. Ah, Tchouki, le Tchouk-Tchouk, oui, notre Tchouk-Tchouk. Ah, c'est beau. Hein. Et du coup, ton père aussi est au Gallia. Mon père est au Gallia. Il a joué longtemps au Gallia aussi. Au CABGL avant. Enfin, c'était plutôt CAB, le père. CAB. CAB. Après, en 2003, avec la fusion, on est resté au Gallia Luchan et ça a été mon entraîneur. Et après, on a même entraîné ensemble et on a joué ensemble deux matchs. Tu as entraîné toi aussi au Gallia. Tu as entraîné. Et il y a Jean-Étienne Lindine qui va arriver en retard. Il m'a dit qu'il t'avait eu en jeune. Il avait été ton éducateur, il m'a dit. En petit, oui. Ah, c'est ça, c'est bien ça. Il va arriver après, nous en parlera. Ah, hein. Il arrive, une recrue. Ah, une recrue, un recrue Antoine de Gérine. Allez, c'est mieux, vous allez mettre la musique à l'entrée. Il y avait Springbok, ça n'était pas là parce qu'il avait Springbok à nouveau. Là. Bon, là, une petite vidéo hein, d'un fan de toi, allez, vas-y. On écoute. J'ai une question pour mon frère. Est-ce que tu te souviens de Clooney et pourquoi tu avais peur des clowns? Allez, bisous, et maman, elle a la réponse. Tu avais peur de qui? Clooney, ah, c'est quoi l'histoire de Clooney, là? Clooney, il avait peur d'un clown, et à chaque fois, il avait peur du clown. On m'a dit que c'était toi, hein, ta mère. Non, hein. C'est plus lui. Moi, j'ai eu peur, petit, mais là, c'est entre lui et moi. C'est... Donc, tu avais peur de l'arbitre l'autre soir? Non, je suis copain des armées. Ah, il dit que Clooney, c'était toi qui avais peur, petit, j'avais la fourmi des clowns, ta mère. Hein. C'est un clown, apparemment, son grand-père avait mis un clown et il avait eu peur et depuis, il ne peut plus voir les clowns. D'ailleurs, elle t'avait habillé en clown, ta mère, regarde, t'avais mis en photo. Elle nous a tout donné. Hein. C'est des bons dossiers, ça, c'est pas mal. Et idole, ton idole dans le foot? Zidane. Zizou. Et tu avais la photo aussi avec ton frère. Hein. C'est ça. Zidane, si tu as le frère jumeau, hein. Ouais. Frère jumeau et il joue ballon lui. Non, il joue pas ballon. Jamais. On va. Il paraît qu'il te ressemble même pas. Enfin, c'est pas physiquement, c'est pas. On est des faux jumeaux. Voilà, on m'a dit c'est bien. Oui, parce que quand même, j'aurais vu un autre match d'autre, j'aurais percuté quand même. Ouais, c'est pas évident. Non, il paraît que c'est. Enfin, il se ressemble un peu, mais enfin, c'est faux jumeaux, du coup, tu fais pas trop grave. Il y a un second maillot, hein, celui de Cholet, hein, quand même, un Cholet. Avec le coach Stéphane Rossi, hein. Voilà, tu es déjà futile, on te voit. Et ce qu'il faut, c'est que le Sporting en N2, N3, Ross, il ne te prend pas et il va te chercher alors avec Cholet en N1. C'est ça qui est quand même. C'est ça, c'est pendant le confinement, il m'appelle et il avait vu que j'avais déjà fait des efforts en N3 parce qu'on avait fait une belle saison avec Gallia Luchan. Et il m'avait demandé de continuer à faire des efforts pendant le confinement. Et sous l'aide de Pascal Camadigne, on a continué à travailler en dehors. Et au mois de juin, mi-juin, je suis parti avec Sté. Et quand tu voyais le Sporting en N2, N3, ça te faisait quelque chose quand même, quand tu étais au Gallia, tout ça devant l'année quand ils sont en N2, on fait un match amical à Luchan, en N2-1, je marque deux buts et le lendemain j'avais appelé Stéphane et Claude
avec le président Pierre Josenti. C'est moi qui lui avais demandé de l'appeler, il l'avait appelé et il m'avait dit non. Ça s'était pas fait. Non, ça s'était comme pas quoi, fait. Le destin, ça aussi, hein, c'est encore preuve qu'il ne faut pas lâcher. Hein. Ouais, c'est pour ça, c'est des exemples. Ah, et puis le Sporting est revenu sur ses... Ouais. C'est bien changé aussi. Et tu as porté aussi celui de Charleroi, bon, pas longtemps. Hein. Ouais, en match officiel, aucun match. J'ai fait trois. On voit la tête en dépression. On dirait que c'est même pas le même. Trois matchs de prépa, ouais. Sous la pluie et tout. Et là, tu te disais quoi alors là-bas? Tu te projetais là-bas ou... Au départ, non. Au départ, en plus. Tu savais que tu allais aller ailleurs, de toute façon. On avait commencé les discussions avec le Sporting, donc ma tête était là. Elle était déjà au Sporting. Et au fur et à mesure de la prépa, je voyais que ça coinçait un peu. Donc, je me suis concentré sur Charleroi. Et s'il fallait faire la saison, j'étais prêt à la faire. Je m'étais préparé pour. C'était préparé. De toute façon, quoi qu'il arrive, il fallait que je me prépare pour le prochain club. Ouais. Allez, un autre fan, hein, les questions des fans à chaque fois, il y en a un autre. Bonsoir à tous, je sais que ce soir dans votre émission, vous avez un invité pour qui j'ai beaucoup d'affection. Donc je voudrais lui passer un petit message. Tout d'abord, le féliciter pour sa rentrée samedi, parce qu'il a été décisif. Et il a joué dans son registre, même s'il n'est pas encore à 50%. Mais ça ne saurait tarder, il va amener beaucoup par sa qualité technique et son savoir-faire, son état d'esprit. Mais je voulais faire surtout un petit retour avec lui sur ses années passées, depuis qu'on est parti ensemble à Cholet, et le voir évoluer comme il a évolué, c'est pour moi une grande satisfaction parce que j'ai toujours cru et quand je l'ai fait venir avec moi, on avait tous un doute, bien entendu, parce qu'il n'était jamais parti de chez lui. Il fallait redoubler d'efforts. Il y avait pas mal de travail à faire, mais par son abnégation, son courage, sa faculté à enchaîner les efforts, et là, je peux vous dire qu'il m'a vraiment surpris, ben, il a franchi les paliers pour arriver aujourd'hui au Sporting. Et j'espère faire une très très bonne saison, même une grande saison, parce que les qualités sont là, parce que l'état d'esprit est là, parce que c'est toujours un garçon qui est positif. Et malgré la blessure qu'il a eue, il a continué à croire en ses possibilités et ses qualités. Donc Julien, je t'encourage à être toujours le même, à ne pas changer et surtout à croire en toi parce que ton potentiel est énorme et il va falloir que tu reviennes tout doucement à 100%, mais là je suis persuadé, je sais que tu vas le faire. Bonsoir à tous et bonne émission. Bah, je suis content de revoir Stéphane, hein. Ça fait plaisir aussi de le revoir. Hein. Il était là en 2017 quand il n'y avait plus personne qui voulait le club et bon, il te fait un bel hommage. Et il parle souvent de la blessure, ça aussi c'est un exemple encore de revenir après des croisés comme ça et d'en vouloir. C'est beau encore. Hein. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu t'étais blessé les croisés? On t'annonce les croisés, tu te dis quoi encore dans la tête? Les deux, trois premières heures, tu te dis c'est fini. Quoi. Ça y est, pourquoi ça me tombe à moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Eh oui. Qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à avoir ça? Et au final, tu te dis, mais attends, c'est rien, c'est une blessure. Il y a pire dans la vie. Voilà, tu vas continuer à être dans un club de foot, tu vas être pris en charge. Je suis allé à Clairefontaine, j'ai découvert d'autres sports, d'autres personnes. J'ai été suivi, que ce soit ici en Corse par ma kiné Laura, à Laval par mon kiné Ruben, j'ai été suivi par des gens exceptionnels et c'est eux qui m'ont remis et c'est mon envie aussi parce que c'est dur et long. Parce que oui. Quand c'était ta blessure? Quel mois? Le 17 novembre. Ah, il y a une aiguille bien qui suit la même blessure. Le 18 mai à Bordeaux. 6 mois quoi. Ouais, mais 5 mois et une semaine parce que je me suis opéré le 3 décembre. Ah, d'accord. C'est encore un exemple, hein, comme quoi c'est jamais fini, encore, c'est dans la tête. Pour revenir au message à Sté, c'est vraiment quelqu'un qui, dans la vie, on dit quelqu'un nous a aidé, lui m'a vraiment aidé. Ouais. C'est vraiment lui qui t'a... Il m'a appris beaucoup de choses, il m'a appris le Julien à Luchan, et il a fait de moi le Julien au Sporting aujourd'hui. Et on sait qu'aujourd'hui, passer d'un club corse à un autre, c'est pas évident, et lui à Cholet, il m'a préparé. Des fois, je comprenais pas, et je suis même allé le voir, pourquoi je joue pas plus, pourquoi... Laisse-moi faire, prépare-toi. Ah, et il m'a préparé pour l'année d'après à la Loire où j'ai explosé. C'est lui. Professionnel et intelligent, Stéphane. C'est lui qui m'a préparé. Ouais. Voilà, il m'a lancé. C'est un petit peu bien. Puis, mais ça tombe bien ce que tu dis parce que moi je disais toujours à tout le monde putain, il est à Laval, il achète. Je dis mais c'est bien. Il montre quelque chose à l'heure, il flambe. Moi j'étais content. Je croisais ton père à Luchan à Bastia, je disais mais il est bien où il est. Laisse-le. S'il doit revenir, il reviendra. Il y a ce karma. Tu vois, mais là, toujours dit. Non, mais justement, c'est un exemple. Pour moi, c'était pas un gâchis qu'il soit chez lui. Non, mais c'est un gâchis. Il faut qu'il serve d'exemple. C'est vrai.
que le joueur, moi je pense que comme il dit, de passer d'un club corse à un club corse ou... Peut-être qu'il aurait pas été dans un cocon, peut-être. Peut-être que partir même maintenant. C'est ça pourquoi on va rabâcher à chaque fois que le Sporting devrait prêter des joueurs. Prêter des joueurs sur le continent, à Nantes, tout ça, pour qu'ils voient ce que c'est ailleurs. Je suis sûr que là, il a vu ce que c'était Cholet, parce que Cholet, je suppose que la ville. Parce que la plus grosse sortie, c'est le parc PMU du coin. Ou... Non, mais c'est vrai que c'est difficile. Je suis tombé pendant le Covid, donc tout donc, fermé. Donc, tout fermé, et voilà. Dans un appartement, appartement de 18 mètres carrés. Oh là là. Non, mais voilà, j'avais pas le permis, j'étais seul avec ma femme là-bas, c'était vraiment... Tu vois, je veux dire... C'était non, mais... La colline à des yeux, c'était pas un cadeau, mais il faut passer par là. Anthony, il a dit un truc important avant, et puis c'est l'exemple... Parfait, c'était Pascal Camadine. On le prête à Sion, à Perpignan, il revient. Et Stéphane aussi. Que tu as discuté avec Pascal. Doublement, il a pas fait une carrière, Stéphane, parce qu'il est parti trop jeune. À Toulon. À Toulon, tout ça. Donc il sait ce que c'est. Mais tu sais que Stéphane, moi je pense que si. Maintenant, je pense qu'il va démarrer là, ça y est. Hein. Peut-être qu'on va peut-être même monter, si c'est pas cette année ou. Un bel exemple, c'est Bruno Rodriguez mais aussi. C'est, la chance qu'il lui donne, elle a lui a tendu une perche énorme. Ah, oui, oui. Ben, il le prouve. Hein. C'est grâce à lui aujourd'hui. C'est grâce à lui, c'est une perche énorme. J'ai toujours dit depuis que je suis parti, ouais. C'est lui. Il y a Pascal, après il y a. Pascal, il y a moi aussi. Parce que même, qui a eu un peu ce truc. On peut Pascal. T'aider, mais si tu fais pas ce qu'il faut, c'est vrai. Ah, oui, il y a des choses aussi. Oui, mais eux, ils savent que tu as les qualités. Oui, oui. Si, quand tu as déjà les qualités, tu as déjà 50%. Ah, il y a le mental aussi. Il y a le mental, mais 50%, tu les as. Bon, il y a le grand tremplin, hein, Laval, hein, comme on a dit. Après, tu vas à Laval, Rennes en encore, tu as encore Rennes. Hein. Ouais. Et il y a Da Silva qui te suit. Hein, il y a celle d'année où je suis, il y a celle Da Silva qui signe. Qu'est-ce qui te contacte alors, pour aller à Laval, du coup? Alors, je sors de Cholet, le Stéphane s'en va, je suis sans club et je ne sais pas où signer, je discute avec Borgo. C'est fou, ça. Je discute avec Borgo. Mais tu vois, c'est dingue. Hein, j'avais pas d'argent. Qui s'est passé, hein. J'avais pas d'argent. Donc, après Cholet, mais Pascal, il avait, on n'avait pas... J'avais Cholet 7. C'est dingue. Hein. Et Borgo. Donc je me suis dit, en tant qu'affaire, Borgo, même pour aller à 7, on reste à Borgo. Quoi. C'est fou. Hein. Et comment là, ça le téléphone, il sonne. Olivier Frappoli. Julien, je sais que tu n'as pas de club. Ça te dit de venir. Bon, ça va être dur pour toi. J'ai déjà recruté mes milieux. Le lendemain, j'ai pris l'avion. J'étais à Laval. Bon, c'est beau. Bon, là, on voit la joie. Hein, monter en Ligue 2. Hein. Tu enchaînes une montée directe en Ligue 2. Bon, et là-bas, leader sur le terrain et leader aussi en tribune. Hein. On te voit à chaque fois avec le micro. Ouais, c'est. T'as souvent le micro. J'ai réussi à créer quelque chose à. C'est des gens passionnés, c'est après, des gens. Ouais, c'est bien là-bas, non? Les Mayennais, c'est, non, c'est tu, beaucoup tu, un cercle comme, fermé. Tu es quand même dans un vieux club français de Ligue 1 des années 70. Déjà Coupe d'Europe. Il y avait quand même 14 ans de présence. Contre Kiev, genre. Ouais, avec Osso, Godard, le Schtroumpf. Le millénaire, il est connu. Michel le millénaire. Une question d'un Lavallois. Allez, un petit fan de Lavallois pour toi. Salut studio, salut jeu. J'ai deux petites questions pour toi. Ça fait 15 ans que j'entends parler, maintenant je ne sais toujours pas. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi Papayou. Et deuxièmement, si tu avais qu'un seul match à choisir entre Laval Valenciennes de l'année dernière ou le Bastia Trois-Tiers. Bon, Papayou, c'est quoi cette magasin Papayou? Papayou, c'était... Le père de mon gardien, je toussais un bel vélo, on partait souvent sur le continent en fin des tournois, c'était un site interdit aux moins de 18 ans, et avant chaque match, il lui mettait cette vidéo pour le motiver. Ça a marché. Papayou. Bon, alors les joueurs, il faut mettre Papayou. Allez sur Papayou, voilà. Après, la demande en adrénaline, je pense. Il demande ce que c'est Laval Valenciennes en adrénaline ou le match là, Bastia 3 de Laval Valenciennes, tu laisses Laval en D2. Laval-Valenciennes. Ou c'est Amiens-Laval le dernier. C'est Amiens-Laval. Laval-Valenciennes, c'est deux cartons rouges à la 30e. On marque à la 32 et on gagne 1-0 à 9 pendant 60 minutes avec un public énorme. Mais celle de samedi, franchement, elle est incroyable. En tant que joueur, je pense de vivre des moments comme joueur, ça. Joueur, et non, tu vois qu'on a trouvé. Ouais, vous, mais joueur, je pense vivre des moments, c'est rare des beaux moments bizarre. Comme ça. Mais ce qui est fou, c'est qu'à la mi-temps, on se l'est dit. On s'est dit, le coach a dit, si on marque le 2-1, on va gagner. Oui, mais toi, on en parlait, non? Alain Mouzet l'a dit, je le nomme. Il faut marquer dans la dire en tribune est. Vivre des moments comme ça, c'est incroyable. Le scénario, on a envie de courir pendant... et de fêter ça pendant 3 heures. C'est incroyable. Tu arrives justement au Sporting, hein? Justement, le lien, alors qu'est-ce qui t'appelle alors là encore au Sporting? Qu'est-ce qui te fait... Alors, avant ma blessure, en mois d'octobre, j'ai Claude au téléphone qui m'appelle et qui prend un peu la température et on commence à discuter. Bon, après, je me blesse. Bon, il continue à m'appeler. On continue à se voir, à discuter. Et après, arrivé deux jours avant de signer, j'ai le choix entre Laval
Bastia et Yacan. Et quand le quand deux jours avant vient se positionner, ouais, quand on vient se positionner, ouais, mais ils font signer Mathias Sautret. Ouais. Donc ça devient un peu plus compliqué, même s'il me voulait quand même. Furlan, je l'avais eu au téléphone. Et après, j'avais le choix, Bastia Laval. Et c'était, voilà, moi, j'ai jamais joué à Bastia. J'ai toujours voulu jouer à Bastia. Et voilà, j'ai pas sauté dessus. Après, de gosse, les copains et la famille en tribune, ça y fait. C'est, ouais, c'est qu'il y a les copains là, qui te regardent. Et Laval avait fait l'effort, hein, ils étaient montés au niveau. Ouais, Laval a fait l'effort, Laval a fait beaucoup d'efforts. Et voilà, c'était pas un choix facile parce que Laval aussi, j'y ai passé 2 ans. Et ça m'a fait grandir et j'ai. J'ai connu les gens bien quand même. Des gens, ouais, très très après, bien. Il y a un rapprochement aussi, ouais, à la Corse par rapport à tes jeunes papas. C'est aussi ça, il fait ça pencher aussi dans la balance. Tes jeunes papas. Un peu oui, parce qu'après aussi. Le rapprochement, tu voulais te rapprocher. Mon fils, il est parti à Laval aussi, donc il était bien aussi, ils l'ont bien accueilli là-bas. Après, voilà, c'est un choix, c'est mon choix, même Bastia, c'était un choix pour moi et j'ai rêvé. D'ailleurs, pour Julien Mouzel et Adrien Mataris, je voulais leur faire un petit coup parce qu'eux aussi ils m'ont suivi. Ça fait 10 ans qu'on a fait les tours des Six ensemble et ça fait 10 ans qu'ils veulent me faire signer à Bastia et aujourd'hui on a réussi. Ils sont capables de regarder la vidéo là. À la piaque, bon, allez, un petit message du petit Basile, lui, allez. Juste une petite vidéo pour te dire qu'on est très fiers du travail que tu as réalisé, de la place que tu as écrite à la base et surtout de celle que tu as écrite avec les couleurs du sport. Voilà, on est très fiers de toi, on t'aime fort, gros bisous. Bon, il porte bien le maillot, hein, le maillot. Et tu as fait le baptême, hein, déjà, Fourian, tu m'avais dit. Hein, tu as eu le baptême de Fourian, il a été déjà Fourian. Ouais, il a été contre Hellas Vérone. Bon. Là, il n'a pas pu venir, il a eu un empêchement, mais. Voilà, tu le traumatises, hein, tu es bien un petit comme ça, le contre match là. Il les a construits. Il rentre. Ah oui, il rentre sur le terrain. Hein. Bon, il tape le ballon un peu ou quoi? On essaie de faire frapper. On ne sait pas encore si les gauchers ou droitiers. Je le tienne qui vient d'arriver. Je le tue, bordel. Je suis venu parce que c'est Julien. Merci. J'aurais pu tracer directement à Lucha, oui, à côté. Dernier maillot, la Squadra Gorce, tu as porté la Squadra Gorce, c'est beau aussi. C'est pas fini. Sicile, bon, ils ont eu une défaite 1-0. C'était la première fois, ouais. Et ça fait quoi alors? C'est quelque chose, on ne s'en rend pas compte, mais quand on est dans le vestiaire pour entrer sur le terrain et qu'on voit chanter des personnes qui viennent avec nous, ça donne des frissons, ça donne, c'est quelque chose de particulier porter ce maillot-là, et franchement pour la première fois ça m'a vraiment plu, et on a un super groupe, faut dire, il y a des super personnes comme Rémi Cabella qui a tout au long de la semaine s'est mélangé à nous. Comme il paraît qu'il a été au top, hein. Il a tout payé d'ailleurs, le sage. Ça a été même au-delà de là, ça a été, ça a été comme un grand frère, un capitaine, ouais. Et on a été bien entouré même par le staff, que ce soit KU, Lipin ou Kibalis, et on a bien été accueillis, on a bien travaillé tout au long de la semaine, c'était vraiment un super stage. Moi on m'a dit que KU, il avait des joueurs, on m'a dit qu'il était, où les entraînements, tout le monde s'est régalé. On m'avait dit en squadre qu'il n'y avait pas beaucoup d'entraînement, qu'il y avait beaucoup de sorties, et on s'est entraîné plus de fois qu'en club. Parce que c'était vraiment des bonnes séances. On a pris du plaisir, et KU a animé les séances comme il fallait, il était bien aidé. C'est bien. Et il a animé, ça a été même Dédé qui a fait un voyage exceptionnel, ça a été vraiment. Qu'est-ce qu'on pense un groupe bien affûté, sélection Corse, Corse-France à Fourian, en éliminatoire de Coupe d'Europe. Je ne sais pas si le match est fini. Commence, oui. J'ai un autre maillot, tu ne l'as pas porté, moi non plus. Hein. C'est AS Dilol, il appartient à celui-là, il était à Jean-Luc Nobu, le grand Jean-Luc. Il me l'a donné, hein, pour mon maillot, ma collection de maillots et tout. On a une équipe en quoi? C'est du Sixte? Non, ils avaient l'équipe en PH à l'époque, hein, Olmo et tout. Ah oui, ils sont montés jusqu'en PH. C'était énorme. Hein. D'ailleurs, il habite là-haut, Julien. Ouais. Hein, c'est pour ça qu'on a un point commun. Nos deux femmes sont du village là-haut. Et lui, il y habite en plus. Nous, on n'y est pas. Mais... il habite là-haut. On vit là-haut. Voilà. Et bon, et Olmo, je me rappelle, quand il y avait le confinement, il voulait retaper le terrain qui était le vieux terrain avec JB. Il était parti dans un délire de mettre les grillages. Tu voulais faire des sixtes là-haut. Il a organisé un sixte à Olmo. Bon, là, il n'y a plus rien. Il a abandonné. Il n'y a plus rien. Il ne faisait pas beaucoup. Il tournait sixte en plus. Il n'en gagnait pas beaucoup. Oui, justement, j'ai la photo. Il en faisait plein, c'est vrai que tu étais un fanatique des tournois de Sixte, hein. On m'a envoyé celle-là, c'est le petit Grazian, il m'a envoyé la photo aujourd'hui. Ce qu'il a fait comme. Maraninka. C'est un truc de fou, ça. On était tous ensemble à Lucian, sauf Grazian qui était à Fourian, et tous l'été on faisait les Sixte ensemble. Chaque fois on le voyait dans tous les Sixte. C'est la passion. Hein. C'est la passion du fou. Mais tu sais, c'est des passionnés, hein, ça. C'est tout. Tu as des joueurs du Sporting dans les années 70, Claude Pape, Georges Chantosquette. Faisait les tournois de Sixte, Oui, depuis Galles, c'était professionnel. Hein. Mais les tournois de Sixte, surtout,
Je pense que c'est surtout autocorps, Sam, parce qu'Ajaccio, je sais pas. Je sais pas là où d'ailleurs. Il y a toujours cette culture, mais d'ailleurs, le père, tu sais que Christophe, ils avaient une équipe de marché. Ils avaient une équipe, écoute-moi. Et on, je crois qu'on en a déjà parlé dans une émission. Moi, tu te régalais les voir jouer. Eh oui, eh oui, il y avait un joueur, José Biakar, qui est décédé. Ah, c'était le FCCB aussi. Je pense que c'était un des meilleurs joueurs. Oui, c'était le marché, le FCCB. FCCB, ouais. C'était le marché. Un gauchis, vous avez une équipe. Non, c'est pas le FCCB, c'était une équipe de Sixte. Oui, mais peut-être qu'ils étaient tous issus du FCCB ouais, après. Il venait du FCCB. José Biakar, il était au CAB. Il a été au FCCB. Christophe, je crois, c'est les frères. Les frères Biakar. Ils avaient créé, je crois, le FCCB sur le marché. Avec Mornay et tout ça. Après, vers la fin. Début 85. Tu parles de l'oncle, là. Tu parles des oncles. Pas José, il a rien créé, ils avaient le même âge, ils avaient 17-18 ans. Au fils, hein, on demandera au fils. C'est notre génération, José, à vous, alors. Le fils. Donc, ouais, Jeff, ils avaient une équipe. Il y avait cette culture, les stades, ils étaient. C'est vrai qu'Ajaccio, je suis pas sûr qu'ils aient la culture Sixte. Hein. Moi, j'entends jamais un tournoi de Sixte Ajaccio. Là, entre vous, vous avez fait un, il faut préserver un Sixte. Maintenant, il faut. C'est un truc de fou. Hein. C'est dur de faire. Surtout qu'avant, les Sixte, comme moi, j'aimais, c'était Campi, les Tog, c'était 5-1 ou 4-1 goal. Là, maintenant, un Sixte, on demande 7-1 goal. Trouver 10 joueurs, c'est de plus en plus compliqué. Parce qu'il y a plus de petits terrains comme il y a Campi. Campi, on avait un bon gardien et un mec qui mettait la tête devant. C'était le vrai Sixte. La poussière. Je disais tout à l'heure, avant que tu arrives, tu l'as eu jeune alors, hein. Quelle catégorie? Jamais eu, Julien. Tu n'as pas eu? Oh non, c'était l'entraîneur qu'on on était contre. Alors, on était quoi? On a même joué contre. Je pensais que tu avais été éducateur. Après, moi, Julien, le truc, c'est que mes premiers diplômes d'éducateur, il était au Crète à l'époque. Ouais. C'est toi qui l'a. Non, on était en observation et il jouait. Mais bon, après, moi, Julien, je connais. Son père m'a connu, j'étais tout petit, et moi, du coup, je l'ai connu tout petit. Donc. Non, c'est bon. C'est pas une mauvaise info. Bon, on va revenir un peu au sportif, hein. On va le laisser un peu au sportif, avec les bonnes nouvelles, hein. Enfin, bonnes nouvelles, hein. Avec la Doumégouide qui a été renouvelé jusqu'en 2026, ça c'est beau, hein. Oui, blessé, et toi, ça, je pense fort, que ça te remet... Geste fort. Ah oui, non, mais c'est important, c'est ça. Bien, ouais, c'est comme ça, bravo. C'est bon, bravo. C'est mieux, hein, par rapport au problème de faire ça pendant la blessure, c'est... Même pour lui, ça le rassure. Oui, mais ben oui, mentalement. Quand tu fais un contrat, quand on se blesse comme ça, c'est pas mieux, évident. Mieux, il n'y a pas. Hein, est-ce qu'il a fait le club pour lui et bon, lui aussi, il méritait aussi qu'on fasse ça. Il peut faire sa rééducation, l'esprit tranquille. Oui. Ah oui, non, c'est ça, il fait. Je pense que ça, il fait aussi. Humainement, chapeau au club. C'est vrai. Bon, nouveau partenaire, encore un. Ils ont encore pris Asco système, là. Mais bon, le maillot, il devient catastrophique, là. Ils en ont pris encore. Le maillot, c'est plein de campagne, hein. Ça touche de fou, hein, ils sont tous sur le maillot. Hein. Mais comment tu veux faire, on n'a pas d'argent. Ah, je sais pas, c'est quoi ça, Asco système encore. Mais bon, tu refuses les sponsors. C'est un truc de fou, hein, cette année, un sponsor. Une place dans un maillot avec des sponsors isolés, ça vend plus cher qu'un panneau publicitaire. Hein. Non, je sais pas comment ça marche, mais tout le monde veut être sur le maillot, sûrement. Il n'y a même plus de place. Non, mais c'est ça, tu veux pas lutter. Tu as besoin d'argent, tu as envie que Bastia, c'est Bastia. Tout le monde, comme tu as dit, tout le monde peut être les mettre sur le cul aussi maintenant. Mais il le mettait avant Caporal. Tu avais Caporal. Tu vas l'avoir, tu l'as eu, Caporal. Bon, autre bonne nouvelle, hein, 7000 abonnés passés, ça c'est monstrueux aussi cette année. Hein. Oui, j'ai regardé le rapport avec la Ligue 1, il y a Brest, ils sont à 7800, tu as Clermont 6100, tu as beaucoup de clubs, de gros clubs, mais ils n'ont pas fait mieux. Hein. C'est Montpellier 7152. 6000 ou 4000 Où ça, lequel? 4000. Reims, ils sont à combien? Reims, ils sont à 7000. Ça, c'est en Ligue 1. Tu aurais été en Ligue 1, tu aurais fait tes 11000. Le rapport, dis-le. Sur le titre, la Ligue 1 est de plus en plus populaire quand tu vois ça. Et on passe les 7000, je pense qu'on va arriver à 7005 d'ici septembre. Alors, quand tu vois ça, tu dis, bah ben. Et ils mettent les titres comme ça, mon Dieu. Alors, on va passer un peu rapidement au mercato. C'est pas fini. Mercato! Il est trop violent, c'est bien. Avec la signature en urgence, suite à la blessure de Doumégouide, hein, Lou Diwan Gueye, bon ça c'est le Covid, j'ai rigolé. Lou Diwan Gueye, il avait annoncé Anthony dans l'émission hein, sur la dernière minute, hein, sur le fil. Non, hein. Lui. Bah, je vous le donne avec plaisir, mais je. Non, parce que le Parisien, vous voyez tout ça, c'est toujours pourri. Ouais, hein. Oh, sur la file, dernière seconde, hein. Bon, alors comment il est où lui d'ailleurs? Non, voilà, où il est? Il s'entraîne quand même. Vas-y Julien, bon, ça va, c'est pas les Julien. Il est arrivé un peu, il avait des petites douleurs, donc il travaille, il est revenu en forme, là il a joué avec la réserve. Il a joué avec la réserve. Et pronto. Traité, non, ça y est, hein. Quand on passe à la case réserve, quand on revient à l'entraînement lundi, bon, on c'est pronto. Ça, bah, c'est prêt, hein. Les pronto. Bah, parce qu'il n'y a pas de défenseur central, mais là, on a pris un là. Bah ouais, pronto, Il y est. C'est bon, allez. Il y a pris info un talk, c'est avec lui là, Kevin Monga là.
défenseur central d'Annecy. Il y a quelqu'un qui avait mis ça sur les... Non, mais il y a plusieurs clubs qui sont positionnés sur lui. Alors lui, c'est fini aussi, ça. Je sais pas. Non, lui, non, non. Non. Il y a des clubs de Ligue 1 sur lui. Hein. Brest, Clermont, ouais, sur lui, ouais. Il y a sacré concurrence. Il y a Clermont, il y avait Nice aussi, donc c'est sacré concurrence. Pour l'instant, il a signé nulle part. Il est encore à Annecy. Bon, ils ont parlé, il y avait son nom. Et puis, il y avait le tien qui a annoncé, toi. Le moi, j'ai entendu lui. Bah normalement, alors, bon, je pense que... Bessilier. Mais il n'était pas à Charleroi quand il était avec moi à Charleroi. Ouais. Et souvent, il avait signé l'année dernière et en novembre, il s'était fait prêter à Eupen. Ouais, ouais. Et là, il est revenu, il cherchait à se faire reprêter parce qu'il lui reste 2 ans de contrat, il est formé à Toulouse. Je ne sais pas. Tu connais ce que ça vaut ? Je l'ai connu 10 jours parce qu'il est arrivé après de sélection, donc... Tu n'as pas vu au non, 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 non. Bon, moi, donc, j'ai entendu... bon, lui... Et celui-là de Rodez, à la début de saison, on était dessus, là, Michou, Yao... Il y a un Nancy qui va arriver. Je sais pas. C'est fou, ça, alors, ça, ça on n'a rien, on n'a pas de... Bon, apparemment, ça signe, hein, c'est sûr. Oui, bah, il faudrait que ça signe, hein. Bon, déjà, là, le loup, là, il va jouer, celui-là. Après, il y avait cette connerie, non, mais le problème, c'est quand c'est la dernière... Où tu fais une bonne affaire en dernière semaine, non, mais ça c'est de ma oui, c'est une connerie, eh oui. La plus de nom, la conche, j'ai dit ça encore. Avec le nom. J'ai dit, mais non, la conche, j'ai dit ça, c'est encore dans un grand pas, tu en gouille. Mais bon, le défenseur central, c'est quand même inévitable, au moins un. Sinon, la saison va être compliquée. Ouais, parce que toi, tu regardes l'équipe du dernier match, sur les 3 défenseurs, il y en a combien qui sont titulaires l'année dernière? Bon, après. Zéro. Hein. Non, mais c'est la réalité. Tu peux dire ce que tu veux. Dans l'axe. Moi, je parle des axios. Mmh. Moi, je veux pas qu'on passe une saison avec Drami dans l'axe. Toujours hein. Défenseur central. Axe. J'ai été formé défenseur central. Je l'ai pas dit au coach. Je l'ai pas dit au coach. Je l'ai pas dit au coach. J'aimerais pas retourner aujourd'hui derrière. Là, je sais, mais non. Mais en plus, c'est pas qu'il a joué gardien, il a qualifié son équipe une fois. Il a joué même le goal. Défenseur, c'était à l'époque là. Je suis bien. Tu as pas joué goal aussi un match de N3. C'est ça. Tu as joué gardien. Si tu aimes te projeter, tu peux pas jouer défenseur. C'est tu parles de plus. Mais on se le mettre à mal. Kirchhoff aussi dans l'autre sens. Hein. Apparemment, Saint-Etienne a proposé une offre. Hein. Ah, c'est bon, qu'il y aille, parce que là franchement... Il reste pas longtemps. Hein. Il a proposé. Il me fatigue. Je le dis à l'émission, il me fatigue. Il ne me fait pas du mal, je le sais, mais il me fatigue. C'est pas lui, c'est les agents. Tu sais que c'est pas les joueurs. Non, lui sur le terrain, je te parle. Je parle pas des joueurs. Il était mieux l'autre jour que l'autre fois. Il était mieux cette fois-ci que l'autre fois. Il a manqué de sur les centres. On en attend tellement aussi. On sait que c'est les agents. Je pense que c'est plus c'est ça. Je pense qu'on en a. On est en avec la saison qu'il a fait, on se dit qu'à chaque match il va marquer ou faire une passe. Mais aujourd'hui c'est pas facile pour lui aussi. Après le club n'a pas d'offre. Dans la tête, il y a rien. C'est compliqué. On est dans nous les personnes comme ça. Quand on entend parler de maintien à Saint-Étienne, à Lens, je sais pas où. Dans la tête, il faut être costaud. C'est dur, c'est dur. Je pense que il a raison. Là, il est dans le doute. S'il reste, il va faire comme ça. Voilà. Il peut que faire comme ça. De toute façon. Voilà. Après, c'est. Baisser pour pas baisser, c'est impossible. Non. Là, il me fatigue. Il va faire comme ça parce qu'il y a une chose que tu oublies, Anto, c'est que le coach l'a dit il y a 3 semaines, je veux garder Van de Kerkhove. Donc si lui veut le garder, c'est pas pour faire de la poterie. Hein. Mais ça c'est sûr, le sait. C'est les agents, Jean-Marie, qui mettent la pression. C'est pas non, mais lui, s'il veut le garder, c'est pas pour faire de la figuration. Les soufflantes sont commencé à arriver, les soufflantes. Hein. Il l'a dit, il nous a fait comprendre. Mais après, une saison avec ou sans lui aussi, elle est... C'est pas la même. C'est la même chose parce qu'il part en. Parce que passer, il passe. Hein. Après, c'était ses centres, ça me dit qu'il part. Il part, c'est une chose. Mais après, on est le même. Enfin, j'ai bien aimé, même dans l'esprit. C'est vrai. Ça va faire un trou à mine hein, si tu n'as pas lui encore. C'est chiant. Le souci, c'est qu'il faut attendre. Il reste combien de jours? 3 jours. Combien? 28. 3 jours, faire attention parce que les agents, il a changé d'agent. Oui. Il a changé d'agent. Les agents qu'il a, c'est des mecs bien implantés, tout ça, et voilà. Il n'y a pas de soucis, moi c'est pour lui, et même pour le Sporting, il n'y a pas de soucis. Ah, mais nous, ça craint, tu vois, il a un défenseur en moins ou quoi? Non, si on me dit, il a joué, je pense. De toute façon, il reste 3 ans de contrat, il ne partira pas pour 1,5 million. Il est quand même dans l'esprit, s'il reste, tu vois. Tu as l'air en quand il prend le briquet et tout, quand il prend le briquet, il vit, tu vois. Quand il prend le briquet au sud de merde, il revient de blessure, il a passé une semaine en soins, il a eu qu'à tirer, il a fini avec des crampes, il a fini sur une jambe. Moi, je trouve qu'il s'est donné, même parce que nous, on en attend beaucoup, vous supportez, surtout les gens en tribune. L'année dernière, il a fait une super saison et il le mérite. Et je pense que voilà, si le jour où dans sa tête c'est clair pour le club et lui, je pense qu'il se remettra au niveau comme il a. Il a surnagé l'an dernier. On reste très haut, très haut niveau. Oui, c'est sûr. Je sais qu'il trichera. On va revenir rapidement sur les matchs des sportifs. Allez, sportifs! Bon, on va aller rapidement. Hein. Il y a eu des placements à Concarneau. Hein, il y avait le coach, hein, Stéphane Le Mignon, qui avait dit pour l'instant, on n'est pas prêt, ce n'est pas rassurant. 4 jours avant la rencontre. Hein.
Bon, un match nul, hein, catastrophique, hein, c'était pas terrible. Hein. À part le grand Johnny Placide qui a fait un match. Qui est toujours grand, Johnny. Il a fait un grand match. Hein. Et bon, beaucoup de supporters aussi, pas beaucoup. Il y a encore des supporters hein, là-bas, hein, avec la banderole pour Doumé. Ça, c'est beau, ça suit encore. Les supporters, ils sont partout hein, cette année. Journée 2-1, et avec la réception de Valenciennes, victoire 3-0, hein, Lienard Santé, Lié Vincent. Petit résumé, bon, après, stade plein, 14 ça c'est le pied de Rami. J'étais sur le pied de Rami, c'était pas prévu. C'est le Rami, bon. Non, c'était pour encourager Ronca là, et Rami dans l'arc, ça, ce match-là, ils ont été énormes. Hein. Ils nous ont surpris. Bon, j'allais dire qu'avec un pied comme ça, ça aide aussi. Il y avait Rami, notamment, tout, il est grand. Ça aide aussi Rami. Et voilà, bon, après, il y a eu quand même plus de 14 127 supporters à ce match-là. Record depuis 2016, un Bastia PSG, c'est quand même monstrueux. Ouais. Tu vois, je pense, quand je vois ça, je pense à quelque chose. Il faut, on parle du stade couvert. Ok. Est-ce que, reprenez-moi si je veux. Est-ce qu'ils vont augmenter la capacité un petit peu? Non, je crois pas. Bon, très léger, je pense, quand la ils vont faire. Parce que je vais t'expliquer. La Corse, elle augmente en population, d'accord? Merde. Nous, non mais moi je te parle, oui, je te prends comme ça. Nous, dans 20 ans, on va peut-être encore y être. Je parle pour moi. Mais les jeunes, ça commence à y aller. Oui. Est-ce que on fait un toit comme il faut, mais au niveau des populaires, ne serait-ce qu'Ouest et Est, on ne pourrait pas augmenter de 1500 chacun, ça va devenir obsolète. Pas 1500, hein, oh. Chacun. 1500, 3000. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas arriver dans un stade de Ligue 1, avec une population qui augmente, des jeunes qui vont arriver derrière nous et qui arrivent de plus en plus, à un moment donné, tu vas te retrouver dans une situation obsolète, tu vas voir. Tu vas être en Ligue 1. Que Jean Tsukari avait dit un stade de 7000, ça suffit. Oui. Il y a 40 ans. Non, oui. Moi, je m'en souviens. C'est marqué dans le journal. 8000, 10, 12000. Un stade de 7000, ça suffit. Il ne faut pas rester les cerveaux bloqués. Ça évolue. Non, mais voilà, ça évolue. Oui, mais il ne faut pas rester les cerveaux bloqués. La raison, ça évolue. Il ne faut pas rester les cerveaux bloqués. Tu vas voir. Moi, je ne te prends pas au hasard. 15000, c'est pas 15000. Mais tu n'as pas compris. Toi, tu parles de l'instant T de maintenant. Moi, je te parle dans 15 ans, dans 10 ans. Les gens, ils vont au stade de plus en plus. Il y a des gamins de 4-5 ans, ils vont y aller régulièrement. Moi, dans 20 ans, autant j'y suis plus. On est remplacé. Mais on est remplacé avec plus de monde encore. Attention. Jean-Marie, si on se fie à ce qui est dans les médias. Parce que tu as 7 ans. Parce que t'attends. On t'en va te. Dans les médias. On te dit qu'on a du mal à boucler le budget. Non, mais, comment tu veux l'agrandir? Non, mais il y a même pas. Il y a pire que ça. Ton stade, il fait combien actuellement? S'il n'y a pas de truc. 15 000. 16 000. Tu sors les 500 places des Gaulois en face. Combien on est si tu sors combien il y a dans le cache visiteur 400 ouais. Bon, tu sors 400. Il y a des loges qui sont peut-être qui vont peut-être être faites en sud. Comment on fait? Bon, ça il faut pas le faire. Non, mais ça réduit la capacité. Ouais. Ça, les loges, c'est des loges, c'est pas le public. Comment on fait? Ça il faut pas le faire. Donc on va se retrouver à monter en Ligue 1 avec 14 000 bédouins. Ohimé, je te le dis, parce que des Bastia l'OM, tu vas refuser du monde. Des Bastia Paris, tu vas refuser du monde. Le but c'est d'avoir des 20 000. Donc moi je suis libre de parler. J'ai toujours dit 20 000. Je suis libre de parler. Je pense qu'un stade de 19 000 places que tu peux augmenter en populaire. D'accord, là. Je t'ai payé 14 000, c'est bon. Je t'ai dit 20 000, moi. 20 000 places, c'est faux. Ça va être petit dans 15 ans. Pas maintenant. Non. Mais dans 10 ans, tu verras. Ils n'arriveront pas avec 1005. Tu verras, Anto. Anto, il a très bien donné l'exemple de Zoukari qui disait un stade de 5 000. Moi, je me suis dit, ils n'arriveront pas à faire 1005. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas. C'est faux. Comme je discutais avec Mandy samedi. On avait des grosses équipes quand il y avait Fred et tout, et au stade tu faisais 5-6 000. Et encore, j'ai vu des stades 3 000. Et là maintenant on a 7 000 abonnés, pourquoi? Pourquoi les gars? Pourquoi? Tu faisais pas 2 heures de route pour être sous la pluie sous... Ah, moi je pense que plus demain tu es bien. Plus tu auras du confort, plus du confort, les gens ils viennent. Hein. Plus tu vas te faire chier. Hein. Oh, tu as un stade plein pour Bastia Valenciennes en Ligue 2. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Pose-toi la question. Demain tu m'entends en Ligue 1, imagine. Et c'est peut-être pas 11 000 abonnés que tu auras en Ligue 1. Ils vont peut-être arrêter les abonnés parce qu'il va en avoir trop. Pourquoi Bastia 3 ça se passe en Italie. Tu vas voir ce que je te dis. Ce match de Valenciennes, il y avait encore les messages forts hein, pour Guide. Il y avait Nézard et Foucault et en tribune. Hein, courage et force à Doumé. Il y a une bonne ambiance, on voit qu'il y a une bonne ambiance hein, entre joueurs, hein, il y a quelque chose. Un petit peu rose, les fêtes. Ouais, alors tu vois les joueurs qui jouent le jeu avec le maillot de Dominique après le but. Non, mais il n'y a aucun souci. Non, mais il y a des gens qui le groupe, ça vit bien, c'est un super groupe. Hein. Non, moi, je suis arrivé, c'était déjà top et c'est encore top. Quoi. On sent que la saison de l'année dernière, elle a fait vraiment évoluer tout le monde et elle a vraiment concerné tout le monde. Après, il y a eu le déplacement à Amiens. Il y avait, Van der Kerkhoff en moins, il était blessé. Et bon, défaite 2-1,
avec monsieur Legrand. Hein, espèce d'empire. L'arbitre. Ah, oh, 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 pas de merde. On va biper encore, être obligé de biper. Pierre Legrand, hein, arbitre, bon, et prof de PS apparemment. Ouais, pédophile. Ouais. Pour que dire, 70e minute, hein, le Sporting est mené 2-1 et obtient un pénalty pour une main dans la surface sur une frappe. Hein, c'est toi qui frappe en plus. Ouais, hein. Centre, je veux centrer. C'est toi, ouais, c'est toi qui centre. Et oui, bon, même le Sporting, après un pénalty sifflé en faveur du Sporting, l'arbitre revient sur sa décision. Sans l'avoir, c'est interdit. C'est on a vraiment le laboratoire, ça n'est pas c'est la première de, fois de la Ligue. On a vraiment que je vois ça de depuis que je suis le foot. Toi, ouais. Vous, c'est pas jamais. Moi, je n'ai pas un souvenir. Alors, tu as déjà vu le central va avoir le juge de touche. Si je touche, là, il revient. Mais là, même pas. Tout seul. C'est un joueur. C'est pour ça que je vais, moi, la première chose que je fais, c'est je vais voir le juge et je lui dis, vous lui avez dit. Et il me dit non, j'ai rien fait. Julien, c'est le gardien. Et moi, je vais le voir, je lui dis, tu es allé voir la VAR. Pour... Il me dit non, elle n'existe pas. Je le sais qu'elle n'existe pas. Alors, comment tu changes? Mais c'est... Tu as bien vu que c'est le gardien, Julien. Il n'a plus dit à moi personne. Julien, tu as bien vu que c'est le gardien. Ouais. Le gardien lui a parlé comme si je parlais à lui. Je lui disais, oh, non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as vu la réaction de Régis Broir en fait. Ouais, tu as vu la réaction de Régis Broir. Oui, je l'ai vu. Eh ben, il dit un truc quelques jours. Il dit un truc quelques jours plus tard à l'émission de Vincenzini où il dit nous, on vient nous casser. Enfin, il dit pas comme ça, mais on vient nous voir en début de saison en nous briefant, en nous disant ne contestez pas les décisions lorsqu'elles sont sifflées. Il a dit Amiens n'a pas écouté ce conseil, l'a fait. Et finalement, ça leur a été profitable. Donc, il faut contester. Tout. Il faut tout contester. Allez-y. Hein. Tout. Mais c'est pas des demi-dieux, les parce arbitres. Parce que là, ils changent un match. Hein. Et alors, si on marche 2-2, à la 74e, on marque. Tu peux même gagner. Il reste un quart d'heure. Et voilà. Ça faisait un quart d'heure, on était dans leur surface. On est 2-2, il reste un quart d'heure. C'est un quart d'heure, même. Là, on a beau. On s'est réunis, on se calme. C'est trop dur. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est trop long. Et samedi, pareil encore. Samedi, pareil. La main, il fait pénalty. Il y a pénalty pour nous. Il y a pénalty. Il faut arrêter. Après, nous, on dit de se calmer. Même le carton jaune, ils ont fait 3-4 Là où c'est grave, sur le coup du rouge à Christophe, non. Bon, il y a jaune sur le gardien, lui il part pour mettre jaune sur le gardien quand il fait faute, et après il y a le tête contre tête avec Kwame, sur le coup il expulse Christophe, mais Christophe fait expulser Kwame qui était le meilleur joueur de 3. On relève pas, mais la sortie Kwame c'était plus la même équipe de 3. Mais la sortie Christophe aussi. Mais on a été 10 contre 10 et ça a changé un peu le match, ça a un peu remotivé tout le monde, même si on va pas le faire à chaque match parce qu'on pourra pas le faire. Mais ça a donné quelque chose. Cette situation-là était bonne, mais vous dites. Un arbitre, quand ils font les écoles, tout ça, quand il va. Quand il peut pas se déjuger du moment qu'il a pris une décision. Non, c'est mais alors après, on leur a. Tu vois, je te dis. C'est comme un flic. Donc, ce qu'il a fait là, c'est pire que. Bah, pas une enculerie, mais... c'est. Bon, c'est vrai, si t'as doublé la ligne, continue. Tu vois ce que je te dis. Alors quand tu mets, il n'a pas le droit de se déjuger lui-même. Mais j'aimerais bien voir s'il va être sanctionné parce que nous, on a posé une réserve. Non, mais c'est un laboratoire, non. On va jamais aboutir. Non, je sais, on va pas remonter à la ligne, tirer un péno. Mais même, où c'est une pourriture extrême, pour une énorme pourriture de merde, c'est qu'il dit le ballon touche le visage. Bien sûr, on le voit qu'il touche le visage. Mais il touche le visage et la main, il touche tout. Le ballon va dans le but. Dis-moi, c'est pas le ballon. Les couilles, tu sais quoi, tu te mets les mains et les couilles, tu prends comme ça, tu as mis les mains, tant pis, tu sais pas, il a pas le droit de défendre avec la main au-dessus comme ça. Non, mais si on part du terrain, si on quitte le terrain à ce moment-là, tu prends 3-0, t'as plus vers la foudre, on perd 2-1. Non, mais il faut marquer l'opinion parce que moi, ce qui j'ai on va en parler pour le match d'après, mais c'est grave là ce qu'il nous fait. Même la victoire contre 3, moi je l'ai pas savouré, j'ai la haine de l'arbitre, c'est complètement facile aussi. C'est un miracle. Mais tu peux placer Damien, attends. En plus, le ramasseur de balles qui se la roule, il faisait jongler pas le ballon. Là, faut les amener dans le long col, maintenant. Faut l'amener aussi. Je propose que le joueur adverse fasse ça. Alors, je vais t'annoncer quelque chose. L'an prochain, c'est Anthony et moi qui nous occupons des arbitres. Non, mais. Lui, reconduit pour 20 après 20 ans. Non, c'est grave. Moi, j'aimerais, je sais pas ce qui. C'est compliqué. Qu'est-ce que les dirigeants peuvent faire? Mais il faut mettre le haut-là maintenant. Non, le suspens de l'heure, tu peux le faire suspens. Et tu sais qu'à Concarneau, même le penalty, il limite pour Concarneau. Je me suis un putain déjà. Non. Bah, santé, il envoie quand même. Pour moi, il y a penalty après. Oui, quand c'est nous, on dit toujours, ouais, mais pour moi, il y a penalty. Tu sais, attends. Il arrive quand même un peu de loin. Qui c'est le corbeau, samedi?
Je sais pas du tout. Je pensais désigner le mercredi. Je pense que c'est le président. Il y avait Kébouy. Si vous l'avez trouvé, ce Kébouy là. Kébouy, quelle horreur celui-là. On se fait rouler encore celui-là. C'est ça. Là, tout le monde est merveilleux. C'est un certain Valnet samedi. T'as en plus sa déclaration, un bon dans ma carrière. Puis là, ça, c'est... Ah, ce croche. Il se roulé, hein. Bon. Il y avait une déclaration aussi de Lénard. Hein. Je n'ai jamais vu un arbitre se déjuger de la sorte. Il s'est déjugé avec son bras. Je suis vraiment surpris. Je pensais avoir tout vu dans le football. C'est la première fois que je ne serre pas la main à un arbitre. Je lui ai dit qu'il avait été nul. C'est quand même fort, hein. Ah oui, il est nul. Il est nul. On lui a tous dit, mais il n'y avait plus un mot. C'était fini. Il savait qu'il avait fait une erreur et... Et comme je lui ai dit, moi j'ai tant qu'à faire, il fallait pas siffler alors. C'est fou, siffler ouais. pas. Ah ouais, on crie, on crie 30 secondes et on continue à jouer. Là, vous nous avez coupé et 15 dernières minutes. Coupé, là, exactement, coupé. Parce qu'on était bien. Hein. J'ai hâte pour la situation, Jean-Marie va te perdre. Pour la situation de l'arbitre, les gars. La situation, t'as lui. Ensemble, ça c'est gâteau. Mais moi je l'amènerai après avec eux l'arbitre. Je le mange avec eux. Dans le but, je le veux. Mais il aille manger avec eux l'arbitre. Moi je le veux. Je le veux. Ensemble, résistant. Comme ça, applaudit. Il est fantastique, là, j'adore. Baccaré les bleus. Il est grand. Baccaré les bleus. Le père est grand. Les bleus. On le veut. C'est idole. On le met sur l'arbitre. Moi, je l'avais sur l'arbitre. Bah, qu'il Il est mort. Il faut qu'il fasse une vidéo en vrai sur l'arbitrage. Hein. Bon, après, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas été terrible. Je voulais revenir aussi. Sur le match d'Amiens. Oui. Oui, on n'est pas bon. Après, l'arbitrage, c'est un peu enlevé le match un peu. Tu joues à Amiens, je voulais remonter. C'est comme une. Ah, mais bon, on n'a pas très bien joué jusqu'à ce qu'il rentre. D'ailleurs, c'est quand il est rentré, Julien, que ça a commencé un peu tic-tic. Mais il n'est pas pour toi, je sais. C'est que c'est vrai. Il est rentré à la 70e mais ça commence à jouer au ballon. On est passé à 4, on est passé en mais... en plus, on a eu beaucoup plus le ballon. On est passé comment au milieu ? En 4-4 de losange. Ah, losange, il est là, losange. Tom, Christophe, Dimitri et moi. Allez, on va passer à rencontrer de ça, c'était quoi ? Vas-y, ouais, supporte encore là-bas. Stack. Allez, le match le samedi, hein. Et bien le budget, je voudrais dire, on a 11 millions et le double, hein, 3, hein, 22, hein, 6e, ils sont en classement des budgets 2023-2024. Et potentiellement plus. Le double, hein. Potentiellement plus s'ils veulent. Oui, non, mais bon. Ils appellent City, il faut une enveloppe pour tel jeune. Déjà, ça, en joueur, ils sont moi, j'avais vu dans un article qu'ils pouvaient monter à 50 millions d'euros. Pour ça, ce matin, je l'ai dit, d'ailleurs, à toi, Napoléon. Et moi j'ai entendu 50 millions. Non mais autant. Après les budgets, il faut les voir à la fin de l'année. Ouais, ce que j'ai lu, je ne sais pas droit moi, mais il peut. Non, il faut voir la fin de la saison. Oui, mais c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient monter à 50 millions d'euros. Mais tout le monde était au match, hein, était au stade. Oui. Au stade, hein. Bah, c'était plaisir de voir Mendy, n'empêche, de voir le. Ouais. Putain, après, ça nous a fait plaisir de revoir le coup d'envoi de lui là. Le crack. C'est beau, hein. Il voulait plus partir du stade, il faisait des câlins. C'est magique. Et puis c'est un mec extraordinaire. Mais oui, c'est vrai que Tennis Coton, il pourrait pas jouer. C'est pas vrai, il était intelligent, Mendy. Il dit qu'il prendrait des cartons. Il était malin, il savait comment mettre le pied. C'est type intelligent. C'est bien de faire venir les anciens. Et oui, surtout ceux-là. Moi, c'est fou. Moi, l'image de Mendy. C'est même oui ce but contre les Roumains ce but oui ça oui mais qu'est-ce qu'il leur a mis le soir qu'est-ce qu'il a mis à ces Ceaucescu à compagnie toutes les années non mais le match PSG, ce match de Coupe d'Europe ils ont dit c'est le vampire des Carpates c'était lui hein. La Fativa là, mais écoute, Montano, je crois. Montano, ce qu'il a pris. La Catus. Qu'est-ce qu'ils ont pris Il est descendu à 4 rangées. Lui et Roll, le soir, ils ont donné. Mais ça, c'est des gens, même dans un vestiaire et tout, il te faut un bien. Tu es pour les jeunes aussi. Franchement, tu vois, moi, j'aimerais bien que. Tu vois, parce qu'il a quitté, il n'est plus dans le football. Il est pompier maintenant. Il est pompier, ouais. Il peut faire pompier. Il était entraîneur en 10e nationaux, on peut lire. Il avait 10e nationaux. Les 17, et après il y a eu les féminines aussi. Non, mais c'est un mec extraordinaire celui-là. Tu vois. Bon, le 11 du Sporting. Il était à Borgo Sporting en jeune, il y était. Ce 11, encore avec Roncal et Ramé dans l'axe, hein, avec Bonnert, hein, Van de Kirchhoff. Il fait très peur. Djoko. C'est Djoko, Cécile. Cécile, mal chanteur. C'est faux, il fait peur. Il fait peur. En tactique, 3-5-2 encore. C'est reparti 3-5-2 au départ. Oui. Pas de losange, je pense que c'est fini losange, on te veut plus losange. C'est fini. On veut plus ton losange. Hein. On va la compo de 3 aussi, pas mal, hein, avec de Préville, tout ça, c'était pas dégueu quand même. Ouais. Hein. Je vais mettre à l'écart 2 minutes. Vas-y, il est en soin, il passe en soin.
Et le gardien aussi, Alain Dar, comment l'avait trouvé celui-là aussi? Le Turc, là. Oh, il a mis la misère, oh. Pour se prendre à l'Ouest. Dis-moi, il jouait où en Turquie, Anthony? Toi, tu sais. Non, il m'a dit qu'il était à Rennes. Oui, il Rennes, mais d'où il vient de Turquie? Je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout. Il a fait disjoncter tout le monde. C'est surtout le coup du briquet, il allait chercher l'arbitre à 30 mètres pour lui monter le briquet. En Ouest, Julien, tu sais pas ce qui s'est passé quand il est parti vers l'Ouest? Quand il a sifflé à la fin, je me suis tourné de l'autre. Oui, non, mais tu as bien fait, mais je veux dire, en Ouest, qu'est-ce qui se passe en Ouest? Il s'est fait chambrer un peu. Il y a des gâteaux, un gâteau. C'est-à-dire, la Ouest, mon nous de notre enfance, était turbulente. C'est par là en nous mal. J'ai du Jomoura, tu es encore là-bas. J'en connais des anciens, ils sont chauds. Là, on est un peu bridé parce que la Ouest, si tu veux, de nombreuses années en National 2, National 3, ça a été vide. Mais là, quand il va se reprendre, tu verras, il y a du jeune. J'ai demandé ce matin, ils ont arrêté. Je crois qu'ils ont arrêté. Déjà arrêté. Ce matin, j'ai demandé, alors, on vous a pas vu, le président, il a strappé tout, il a dit on arrête. Putain, alors que la tribune commence à sortir. Au bout des deux matchs, ils arrêtent. Oh, ça tient, il arrête. Moi, ils sont venus me voir, mais tu vois, moi, ça me fatigue. Ils sont venus me voir. Pour demander des... C'est ce qu'ils m'ont dit ce matin. J'ai demandé à un groupe. J'ai dit, on ne vous a pas vu. Qu'est-ce qu'il y a eu et tout? Il m'a dit, pété un câble, il a tout déchiré. Il a dit, on arrête tout. C'est dommage, parce qu'ils ont fait. Ben oui, c'est dommage. L'année dernière, c'était pas mal. Écoute, hein. Je ne comprends pas. Moi, je ne sais plus. C'est dommage. Ouais, victoire 3-2. Hein. On regarde les stats. Hein. Il y a eu possession de balle 52 contre 48. Hein. 24 tirs hein, pour le Sporting. Quand c'est même, beau. Hein. C'est impressionnant. Hein. C'est rare hein, qu'on fasse autant de tirs. On a poussé en seconde. 6 cadrés. Bon, c'est pas mal, les stats, voilà, belles stats. Hein. Les stats sont bonnes. Match fou, hein. D'ailleurs, moi j'ai eu du mal à redescendre sur terre hein, à la c'est fin fou. Du match. J'étais mort, jusqu'à 2h du matin, j'étais mort. Ça a été compliqué. Moi, j'étais un mélange de joie, de soulagement et de haine, parce que j'ai encore l'arbitre dans la tête. Non, et mais ça c'est bon, après ça passe. Non. Ce gars, hein. Il te dégoûte. Hein. C'est ce qu'on aime ici. Je viens d'avoir une anecdote. Donc, comme en direct, c'est ça la magie directe. Quelqu'un qui se faisait m'a gagné, c'est le photographe. C'est le photographe qui l'a gagné. Le photographe derrière le truc. Merci le photographe. Merci le photographe. On applaudit le photographe. Et encore du monde. C'est grand ça. Et encore du monde. Un photographe journalier. Enfin, encore du mongolien. Oui. Il a sauté, t'as eu le voir. Bravo. Vous voyez le Comté, hein, magnifique. Comté, c'est fabuleux ça ce qu'il y a. C'est magnifique. L'interview et tout, c'est fantastique. J'espère qu'il viendra à l'émission avant la fin de l'année. Et je lui ferai dire, en langue corse avec son accent, Potala Chancula. Il va le dire. On va aller, ce sera le challenge. J'aurai ton challenge. Ça sera mon challenge. Fessiné, Putana Chanculade. Tu es énervé. À chaque fois, l'arbitre. Chaque fois sur l'arbitre, tu feras Putana Chanculade. Oui, mais le coach aussi, l'image, elle est belle, celle-là. Oh, le coach en transe. Il a sué, il a transpiré. Lui, le reptile. Le reptile qui est toujours tranquille, on le voit toujours là, il ne buvait pas d'eau et tout. Je me crois qu'il vient dans les émissions, il ne transpire jamais. Là, il a tout lâché. Je suis sûr, il vous a mis une soufflante à la mi-temps. Enfin, toi, tu n'étais pas rentré encore. Il y a une petite soufflante quand même. Ouais, à la mi-temps, il a crié, c'est normal. On prépare toute la semaine, on perd 2-0 à la mi-temps. Tout ce qu'il avait demandé, tout ce qu'il avait dit ou annoncé, ça s'était passé. Et on n'a pas répondu présent, même si oui, malgré ça, on a refait le débrief, on fait quand même une bonne première mi-temps, on a des occasions, on a 2-3 situations sur coup de pied arrêté, quand Vincent prend rouge, on peut marquer nous sur le corner. Mais tu as vu les buts, les situations des buts. Ouais, un marquage, un penalty. C'est pour ça que je pense que nous on le voit, mais imaginez lui, toute la semaine avec vous. Ouais, c'est vrai que c'est pas assez. Il est lucide, hein, ce coach. Moi je vais te dire, il arrive à être lucide à dire les choses. Là où il est bon, Brouard, il faut le rendre quand même. Tout le stade disait qu'il faut changer l'équipe à la mi-temps. Tout le stade. Il a tenu bon. Non mais regarde, il a laissé la même équipe pour qu'il y ait une réaction, coaching. Pour qu'on réduise la marque. Et après, là, il a fait rentrer les champions d'alliance. Il a été très. Non mais il faut être bon. Depuis le mois de janvier de cette année, les coachings sont bons. Non, non, sérieusement. Il faut tout sortir. Il n'y a rien à dire. On ne personne, on dit la vérité. Il laisse l'équipe, il dit ils vont réagir, on a réagi. Et puis après, il a mis donc Julien, tout ça qui est. On changeait le match, lui et tout le monde voyait rentrer Alfarella. Ouais. Alfarella, il entre guillemets, laisse s'échauffer, il appelle Conte. Ah, extra, putain. C'est des stats. Franchement, coaching, il y a vraiment. C'est que toi, qu'est-ce que tu veux dire? La vidéo du coach, le lendemain sur la place, voilà le coach comme il est. C'est rare de le voir là. Tu le vois, le coach. C'est lui, je le mets. Je dis, c'est pas possible. C'est sur la place. Le coach. C'est sur la place, c'est ça. Là, c'est que là, le nôtre. La voix.
C'est ça, qui c'est ça? C'est Tony Micheli. Danza, Tony Danza. Oh. Oui, Tony Danza. Oui, j'ai dit, c'est le même que le coach. Là. Oh, putain. Ah, mais tu as trouvé ça. Je suis tombé sur sa voisin. Je disais, le coach, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Oui, c'est le tour. Tu trouves le tour. Bon, on va voir le fil du match. Bon, c'est quand même pas mal. Un penalty à la 9e, un but de Préville. Le penalty, il n'y a pas celui-là d'ailleurs. Oui. Si Jean-Jean Ventoura était là, tu dirais qu'il n'y a pas faute. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas faute. Bon, ensuite, 13e minute, on enchaîne carton rouge Vincent et Nguessan. 29e, deuxième but, Azoukrou, on perd 2-0 à la mi-temps. Un carton jaune pour Yéna, encore un carton. Ça a été mal. Hein. Seconde mi-temps, hein, bah, on revient à 47e, but de santé, ça change tout. Hein, mais l'entrée de Julien à 65e et Fascinès, pareil, à 65e. But de Comté à 70e. Carton pour Vendrick Kerkhoff, encore un jaune pour changer. Et 80e, l'explosion, hein, énorme. Hein. Ça, c'est un match vraiment made in fury. On va mettre Prunette parce que c'est monstrueux. Et celle de Prunette. C'est dégueu, c'est nous, c'est dégueu. Moi, je me suis servi des types, je ne connaissais même pas. Dimitri Yéna, laisse passer. Laisse passer Machotte. Machotte, vas-y. Comté, fasciné, Comté. Fasciné, Comté. Passé à 3. 3, 2. Ils sont debout. Ils sont couchés sur les bancs. On s'embrasse sur la bouche, et bon. On s'en fout, et bon. De on avait dit qu'elle va 2-0. On avait dit qu'à 2-0, si on marquait le but, tu sais quand il marque, tu sais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et un peu d'un sur le bois, mais tout déjà. Qu'est-ce que je fais? Non, qu'est-ce que je fais? Je regarde l'arbitre. Je regarde l'arbitre. Et tu sais ce qu'il fait, lui? Il regarde son juge et il fait comme ça, le rond central. Parce que la pédale là-bas en or, elle part. Et il a fait ça. Moi, je le regarde ensuite. Non, il fait ça. Regarde, il fait ça. Non, c'est vrai, tu sais s'il lève là ou un truc. Non, je bâche. Tu l'as senti lever, tu vois. Je te dis que le central, moi je l'ai regardé. Il a fait comme ça, il a eu un temps comme ça, et il a vu sa donzelle repartir vers le centre. Si on regarde Jonathan de l'autre côté, Jonathan Daval, de l'autre côté. Jonathan Daval était chez nous terrorisé comme ça. Il savait plus où il était, Jonathan. Sinev, qu'est-ce qui se passe avant le stade? Qu'est-ce qui se passe, Sinev? Écoute, il est réveillé, mais non, Sinev, c'est fini. Sinev, c'est la fin. Il sort plus mal de la. C'est dangereux quand même, hein. De tenir sur un truc comme ça quand le public sur des points. Moi je te dis que sur l'égalisation, sur le 2-1 de santé, sur le 2-2, sur le 3-2, chaque fois je le regardais. Moi, sur le troisième, j'ai regardé aussi. Il y a eu bonne nouvelle, Fabry, hein, qui troisième gardien qui passe numéro 1. Franchement, moi, je suis resté, mais agréablement. Au pied, il est bon. On a trois gardiens. Oui, il a mis le numéro 1. Non, mais au pied, il est bon. Le mec est sérieux, il a été sérieux. Faut être honnête, un boucher. J'ai joué gardien toute ma vie. J'ai trouvé meilleur Fabry sur ce match. Moi, je préfère toi. Des fois, après chacun son. J'ai vraiment aimé. Hein, Fabry, ouais. Ah oui, non mais franchement, je l'ai trouvé. Même quelque chose aussi. Ah non, moi. Les gars, et parce que le CFA, il arrive à fouiller un bloc contre 3. C'est pas évident. C'est beau. Mais tu en as connu des gardiens qui tremblaient, qui arrivaient pas, qui faisaient des moignons. Franchement. Dégagement au pied. On a eu quand même comme ça. Ouais, ça doit pas être évident, mais bon. On a eu en scène, nous. Non. Il nous a les gardiens. En Ligue 1. Là, c'est mieux. Tu te souviens d'en scène? Ndiaye, alors en face, Ndiaye, c'était pas le Ndiaye d'ici. Est-ce qu'il a un peu joué sur la mi-temps? Première mi-temps, c'était. Second mi-temps, il a lâché un peu. Hein. C'est lui le pénalty d'ailleurs. C'est lui le pénalty, mais bon, il était sollicité. Première mi-temps, c'est Ligue 1. Après, le second mi-temps, j'ai trouvé un peu moyen. Seconde, oui, mais première, il a fait des interventions costauds. Hein. Le moment, il fait la retournée. C'est devenu musclé. Mais j'avais pas reconnu. Au début, j'avais pas reconnu. Je cherchais, j'y vais où là? Vas-y, moi tu le reconnais. Ah, et encore, on va se prendre les plaintes. Là. Non, il n'y a rien à comprendre. Fatigué, je On dirait qu'il est plus costaud, hein, on dirait. Et les font travailler, je pense qu'ils ont dû le faire travailler. Attends, puis après, nous maintenant, on t'en a l'idole, c'est Fessinet. Ah oui.
Il a vu Dieu. Ciné. Porciné, on va faire une peluche, porciné. J'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu. Bon, il donne Tom Ducrot aussi, moi j'ai trouvé Tom Ducrot. Très bien, quelle progression. Depuis le début de saison, il est énorme. Dans la mentalité, dans le truc. En santé, il y a les gars. En santé, aussi. Je voudrais saluer aussi de Ruka, qui a fait... Mais il y a aussi, parce qu'il est critiqué, Djoko, il fait un travail de sable, Djoko. T'as assez fou, les gens. Il ah, il se bat. Oh. Non, seconde mi-temps. Ah, il se bat. Moi, j'ai la santé et les efforts qu'il fait. Les deux. Tu as senti les Djoko, c'est des efforts. Djoko a été très brouillon en première. Oui, mais... Il était beaucoup mieux en seconde. Tu es d'accord avec moi. Seconde mi-temps. Il est chiant quand même. Très brouillon. Julien, pour un mi-temps. Non, tu sais ce qui se passe. Justement, toi qui as un féru de tactique, Djoko, quand Vincent est expulsé, il le fait descendre. Il le met sur le côté. Il joue plus bas. C'est pas son truc. Mais même avant l'exclusion, je trouvais trop en dedans. Seconde mi-temps, très bon. Il est chiant à jouer. Je te dis, en tout cas, il est chiant à jouer. Je sais pas, tous en même temps, là, c'est. En tout cas, il faut tenir le rythme aussi. Oui, mais même Dramy, il a un strapping. Tu vois, tout boit en seconde mi-temps. C'était. Mais c'est la tribune, c'était. Mais deuxième mi-temps, ça allait. Ce Dramy, là, dès qu'on avait un ballon en défense, c'était. Comme ça, faut dire la vérité. Non, mais ça suffit là. Non, après c'est bon, c'est pas le bisounours non plus. Il a été dégueulasse. Oh non, il est méchant. Deuxième mi-temps, ça a été. Non, parce qu'on avait le ballon. Dès qu'il y avait un contrat, il reculait. Il était méchant, mon ami. Non, allez. Ah, là, faut parler. Ouais, mais... Vas-y, on parle pas. De qui méchant, hein. Il a les grands pieds. Non, mais c'est un match comme ça, c'est trois matchs comme ça. Oh, il est méchant, mon ami. On peut pas continuer comme ça. Je suis pas gentil, mon ami. Ah, non, mais faut la pelouse. Il reste quand même 3 buts à pénalty. Contre. Il est gentil, mon ami. Je l'aime, mon ami. Touchez pas. Faisons l'émission sur Dramy la prochaine fois. Oui, et maintenant, Dramy. La pelouse, mieux quand même. Plus. Beaucoup mieux. Très pour nous, joueurs, c'était pas loin. C'est vous qui jugez alors. C'était. Oh, là, ça y est. Ah, mieux. Ça y est, carrément. Ça y est. Je vais continuer de pas. Non, mais c'est vous qui jugez. Non, ça y est, je sais pas, ça y est. Pour nous. Allez-y, oui. Non, mais je vais continuer de parler parce que je garderai, quoi qu'il arrive, ma liberté d'expression. Ah. Quoi qu'il arrive, je la garderai. La pelouse a été catastrophique il y a 2 semaines, c'est un peu mieux. Voilà, c'est dit. C'est dit Julien, elle a joué dessus. C'était un petit message mieux. Comme ça. Et la Vérone, c'était compliqué. Valenciennes, ça a commencé à être un peu mieux, mais là, top. Bon, ça va, il fait chapeau. Là, franchement, mais la Laval, elle était belle, la pelouse de tout temps. Tu sais que les deux plus belles pelouses de Ligue 1, Bonal, Sochaux et Laval. Bonal, il y avait du lait avec les Vosges. Lactel. Homme du match, ne montez pas assez à Julien. Homme du match. Sauf Julien, sinon après ça va faire faillot. Homme du match, si tu regardes, ça peut être compté sur les trucs. Mais ça. Du croc, moi je vais dire. Voilà, du croc. Moi on va pas te demander. Ah, moi je peux dire, hein. Moi je mets Bonheur. Voilà, tu vois, mais tu vas donner des points. On en a pas parlé, mais c'est défensivement, il est revenu 7 ou 8 fois dans l'un contre avec Saïd. Tu as fait une intervention, c'est vrai, Bonheur. Il a été très très bon. Et c'est pas son poste. Et c'est pas son poste. C'est vrai. Et c'est pas son poste. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ma. Ouais, contre Lienard, même si la déclaration après on peut en parler. Non, mais Lienard il est bon aux idées. Vas-y, je vais finir en tout. Moi j'ai aimé. Non, mais là, c'est des conneries, j'entends. Lienard il est bon, donc faut rien dire. Donc. C'est quoi dépend, est-ce que je dis le rien dire bon. Oh, c'est quoi le meilleur du match? Lienard il est bon, je t'ai pas dit rien, jamais. Dis ce que tu veux. Du match. Je mets le jeune. Conté. Du match. Oui, il m'a fait penser à Bonheur, après donc il y avait Julien. Non, mais il y avait Julien aussi qui. Choisis. En plus, je vais te dire. Non, mais c'est vrai, c'est pas parce qu'il est là, mais c'est vrai. On aurait dit tout, c'est du Madjo. Non, non, mais en plus, Conté, il a une qualité, c'est qu'il peut. Ah, Madjo, tu tiens. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Gilles, dis-moi, Conté, il a une qualité, il peut aller mordre l'arbitre. Alors, à qui ressemble? Alors, je ne dis pas les mordre l'arbitre. Ce matin, là, qui disait Ousmane Tsouma, ça ressemble à rien à voir. Ousmane est dribblé. Il va plus vite qu'Ousmane. Toi, c'est encore plus là. Il va plus vite. T'as pas vu quel match? Non, mais c'est pas le même profil. Hein. Ousmane, c'était un petit dribbleur. C'est... Ouais, pas que celui-là, puis aussi. Tu sais que Broir, en entraînement, est derrière lui. Hein. Il arrête pas. C'est un peu comme Cahuzac avec Zimaco. Il faut derrière sans arrêt. Hein. Parce que c'est un sac à potentiel. Mais moi, j'ai une question. Parce que c'est un genre de couloir ou. Pour moi, c'est un genre de couloir. Couloir, ça va très vite, fusée, ça hein. Fait beaucoup d'efforts. Après, nous, on joue dans un 3-5-2 avec deux attaquants axes. Donc, après, rentrer sur des fins de match, passer peut-être à 3 devant, à 2 milieux, 3 devant, je pense qu'il peut apporter un plus. Là, on a vu qu'il peut apporter un plus. Il a marqué deux buts, il se trouve un peu dans l'axe. Donc,
Ouais, est-ce que ça vaut pas le coup ou, bah, tu vois non, il va servir, c'est vrai. Il est imprévisible hein, avec son ballon. Je pense qu'on a le coach avec une cartouche en plus sur le banc et d'avoir d'autres peut-être systèmes en tête ou d'autres façons de voir les choses. Sur parce que là, il y a des joueurs maintenant, les gars. Hein, peut-être que dans la saison, des fois, de temps en temps, tu feras du 3-4-3 comme on l'a fait l'an dernier. Et à ce moment-là, peut-être. Parce que même Yankee, ça a l'air d'être. Il a l'emmené quand même. Ouais, c'est un joueur de côté aussi. Un joueur de couloir, ouais. Il y a le tifo. On l'a vu à l'aise avec le ballon Yankee. Je suis pas fan, moi. Et le joueur de Lyon, là, qu'est-ce que c'est? Les gars. Là, j'ai vu qu'il avait marqué en réserve. Ouais. Après, c'est un profil, c'est comme s'il y a Benji et Nico déjà dans le même profil. Donc, non, c'est un peu profil comme d'accord. C'est un profil c'est pas l'avant-centre. C'est un leg, alors, les gars. Pour le moment, le même nom que l'arbitre. Pour le moment, Magri n'est pas trop remplacé. Hein. Qui ça? Magri. Ah, le départ c'est de Magri. Là, c'est dur. Si ton, le seul attaquant que tu recrutes, il va en réserve. Bah, Toulouse, il a du mal. Hein. J'ai vu que non, mais après, là, tu as marqué 3 buts. Tu as quand même. Oui, non, mais après. Oui, non, mais pareil que toi, il s'est un peu de mal. 7 buts, elle a marqué déjà. On a quand même 7. Tu vois, je veux dire. Après, on dit toujours l'avant-centre. J'ai jamais vu un avant-centre marquer 60 buts, moi, à part les Lewandowski, une équipe, c'est un peu tout le monde doit marquer dans la saison, c'est vrai ou quoi? 3 matchs, c'était but, tout dit. Je sais pas. Si par exemple Santé, il va marquer 6 buts. 7, il va les mettre sûr. Djoko, 7-8 buts. Julien, il va marquer, j'espère qu'il va marquer 4-5 buts. Il était pas loin, là, il enlève cet enfoiré. Là. Il va la chercher, mais imposer, là, cette merde. Vous le voyez déjà sortir de Fourian. Qu'est-ce qui se passe? On revient sur la déclaration. Quelle déclaration? C'est moi qui la demande. Mais quelle déclaration? De Yéna. Moi, je veux pas. Ah, tu veux revenir sur ça? Juste rapidement. Il y a une déclaration. Tu vas lui faire avoir une banderole. Rappel les faits. C'est pas de critiquer. C'est quoi? Rappel les faits. En gros, il expliquait que quand dans les moments comme ça s'est passé sur l'embrouille, il faut rester, garder son sang-froid. Oui. Et là, elle a raison de dire ça. Jusque-là, c'est pas. Ne pas se faire emporter par le public. Et moi, je pense, c'est mon avis. Oui. Comme on l'a dit avant, pour la bande de chacun a le droit de s'exprimer. Mmh. Moi, je pense que pour moi, il a coûté de la plaque quand il dit ça. Sur ce thème-là, parce que combien de fois on s'est fait marcher dessus? Combien de fois on s'est fait chier dessus? Et on l'a revendiqué ici même, partout. Oui. C'est ce qui s'est passé, ça a réveillé tout le monde. Et peut-être que si tu n'avais pas cette force de caractère-là, tu ne gagnais pas le match 3-2. Anto, il a eu une bonne image. Tu as posé la question, tu as dit, est-ce que si le match était à huis clos, on gagnait 3-2? Ouais. Ça résume tout pour moi. Non, il y a ça. Pour moi. Peut-être qu'il prend le deuxième rouge, peut-être qu'il prend le deuxième jaune. Hein. S'il n'y a pas la pression du public. Il doit le prendre. Mais on est allé ce matin sur le truc troyen. Moi j'aime bien voir ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils se font voler. Hein. Ah ouais oui, ils disent qu'il y a carte rouge sur les nards. Hein. Ah oui, ils disent qu'ils se font voler. C'est pas une critique de dire qu'il est sur ça. Les gens ils comprennent pas. Bien sûr que. Footballistiquement parlant, il n'y a rien à dire, c'est une qualité. Même dans l'état d'esprit. Juste que sur ce truc-là, pour le moment, il se trompe. Peut-être qu'il s'en rendra compte dans quelques semaines. On a besoin de ça. Ça fait partie de Fouillard. C'est l'ADN du club. Lui, il dit qu'il ne faut pas concéder. Oui. Mais dans le sens, pas concéder. Mais on a besoin un peu de cette agressivité. Si on a plus ça, je vais plus au stade. Et pour conclure, il faut. Non. Contrairement à ce qu'il a dit, il faut continuer comme ça. Oui, mais moi je vais plus au stade s'il n'y a plus ça. Il faut continuer comme ça, stade, il faut rester sur nos valeurs, c'est comme ça. Ben, moi j'y vais plus, si c'est à base, tiens, comme ça j'y vais plus au stade. Si c'est du tagonal et tout, ouais, attends, c'est horrible. Voilà. Bon, il y a l'ambiance, il y avait le tifo, le beau tifo là, avec les... C'est pas mal, hein. Gros ce tifo avec les cartons. Et bon, alors j'ai une question à poser, moi, parce que là aussi, pareil, on m'a demandé, est-ce que vous avez entendu des sifflets, vous? Sifflet pour quand au début du match, ils ont tiré les cartons. Non, j'ai pas entendu siffler, mais moi j'ai eu des gens qui étaient pas contents. Qui ont dit. Tu es honnête. Non, mais après, j'ai discuté après, en dehors du match. Ils ont encore jeté les cartons. J'ai pas entendu que les gens que j'ai vu le lendemain m'ont dit ils ont encore jeté les cartons sur le terrain, il n'y a pas besoin de faire ça. On va encore se. Bon, restez pas. Tu vas dans un uniforme le matin. C'est Tifo que tu jettes, t'as quand même satisfaire. Moi, la seule chose que je dis, c'est que dès l'époque de Testamour 92, on aurait fait n'importe quoi, on aurait tout mélangé, nous on aurait ça pas fait. Beau, hein. Gâteau, on aurait fait. Mais tu as entendu vraiment les sifflets, toi? Non, sifflets, je n'ai pas entendu. Moi, j'ai entendu à la fin, après, le lendemain, des gens qui. Il y avait de vraie ambiance, on aimait ça, voilà. Sur le terrain, c'était à vivre. La communion à la fin, elle est belle, c'est magnifique ça. Ah, tiens,
c'est magnifique. Non, mais alors, tu vois un truc important, les gens critiquent, ils disent, ils sifflent, parce que justement, des cartons, moi j'ai pas entendu, mais bon. Mais par contre, quand les joueurs font le taf sur le terrain, que le public pousse, le public insulte, et la raison, et il faut jamais cesser d'insulter. Par contre, tu n'as plus besoin de rien jeter. Regarde, il n'y a rien qui a été jeté. Il n'y a rien qui a été jeté, on a gagné. Tu vois, 3-2, ça a été difficile parce que l'arbitre a enculé. Mais le paysan, le paysan. Quel enculé. C'est lui qui fait Laval va lancer l'année dernière. C'est lui qui était en plus. Donc, si tu veux, tu peux gagner un match en poussant, en insultant. Vocalement, moi je vais te dire, les juges de touche en insulte, ils ont ramassé. Oui. Bon, après, il y a les résultats. On peut encore se fier. Bon, encore 3-0 contre la CA, c'est eu les leaders quand même pour l'instant. C'est impressionnant, hein. Ajaccio, bon, ils ont perdu au contre nous. Championnat. Il y a eu le stade François Coty, un petit conservatoire. Mais depuis ça, nous, ça s'était plus fait. C'est pas normal. Si on vend deux, ça veut dire qu'on a perdu. Ce qu'il veut, on monte, là, on met la panique. Et ceux qui prennent. C'est dingue, ça, encore. On reproche l'échelle, pas l'échelle, mais les supporters étaient interdits de rentrer. Ils étaient interdits de rentrer. Je pense. Regarde la photo. Les ultramarines, ils sortent à communiquer. J'ai pas vu ça. Oui, ils ont communiqué, ils sont venus. Ils ont mis les maillots tout seul d'un coup avec les écharpes. Non. Et ils se mettent de suite, et quand ils rentrent, ils ratent de suite. Attends, ils provoquent. Crédité, provocation et tout. C'est pas pour la CIA. Après, tu avoueras que ce préfet de Corse du Sud, préfet de région, la gestion d'AC à l'OM et d'AC à Bordeaux, elle est catastrophique. C'est un préfet en moi. Il ouvrir un parcage que de laisser les gens au milieu. Bien sûr. C'est ça qu'en France, c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Parce que là, il peut y avoir un drame. C'est honteux, elle m'empêche, qu'ils mettent le micro. C'est vrai, c'est vrai. Il faut qu'il y ait des déplacements encadrés. Comment ils font en Angleterre, en Italie, on est loin de ça. Ils arrivent, il n'y a jamais un souci. Mais en Italie, moi je pars, tu le sais, je pars voir tous les matchs et tout. Ils arrivent ceux de Naples, ceux de Rome, je pars à Milan, voir l'Inter, ceux de Naples, ceux de Rome, ceux de là, tous les Vatican. Bon, après. C'est pas ça l'onde. Escorté jusqu'au stade et retour escorté jusqu'à la. Ils sont parqués, ils te parquent. Par contre, une heure avant, une heure après. Une chose est sûre, pour ceux qui en doutaient, pas de salon à Fourian. Regarde comment a fini le salon. Le salon a fini. On l'a bien vu. C'est le même que chez nous. Ils avaient offert à tous les stades en Corse le salon. Mais après, le huis clos, ça ne change pas beaucoup. Mais bon, la CA, peut-être qu'on va jouer à huis clos. Ouais, financièrement, non, ça ne change pas beaucoup, le huis clos, c'est l'habitude. D'accord, on m'a gagné, d'accord. C'est lamentable. C'est honteux. Mais putain, c'est horrible. Ça laisserait augurer de bon pour un Sassuolo Sporting. Mais je pense que depuis. On n'aura pas de déplacement. L'affaire Kenzo, il est boubou, il lâche plus maintenant. Ça a dû. Le moindre truc, ils vont les tuer, là. Bon, le classement, on va. Ça ne change pas beaucoup de. Tu sais que j'ai un peu râlé le classement, moi, après tout ça. Cinquième, 7 points, pas mal. On monte, on va dire encore. On monte, on a 7 points. C'est cinquième. Le pour contre. Tu veux remettre là, je te remets là. Attention, moi tu auras tout le classement. Voilà, hop, je vois là. Voilà. On est là. Cinquième, tu as Guingamp devant, à 7 points. Non. Après Amiens, 8. Grenoble, 8. C'est 12. C'est pas dégueu. Plus 3. Grenoble, ils ont pris 0 but. 0 but en question. Aller là-bas, ça va être chaud. Hein. Être obligé de les Alors attends, moi je parle de ceci. On a toujours été un club de Mongoliens qui avons réveillé les Mongols. D'accord. Ah bah là, c'est nous qui allons. C'est lui qui va marquer en plus. C'est lui qui va débloquer. Il va les tuer. Ils vont enlever le zéro là, ils vont leur enlever le truc. 10 milliards avec moi au chalet sur la... à la Noël. Bon, il y a le pisté, il faut voter le pisté. On a relancé le pisté pour cette année, l'année dernière c'est VDK, là on a lancé sur les réseaux, il faut voter pour cette année encore. Les infos du club, vous avez vu le mariage, je demande au mariage aussi. Ça c'est dur quand même. Il faut passer. Non, ça leur plaît. Est-ce qu'on peut tirer des bons maricoles au mariage? Tu on est suspendu de l'église. On va te marier. Si tu te maries ou je me marie d'après toi. Je sais avec qui. Le mari avait fasciné. Je veux des juges de touche qui sifflent leur jeu quand je mets le truc. Le mari, on fait un faux mari, avait fasciné à compter à la fin de saison. On t'a fait un faux mari, avait fasciné. Georges Nigo, il le fait. Il va, il te verrait. Il n'y a pas de bague, il doit dire ça. Et la petite Romy, tiens, qui a flambé encore là avec. Avec le PSG hein, en 19, les féminines. Et frappe, écoute tonton, frappe. Ouais. L'Académie, rapide, il y a eu le résultat, première journée. Première journée de l'Académie, c'est les 17 ans.
3-1 hein, contre Borgo. Ouais. Borgo, j'espère qu'ils vont faire aussi une belle saison. Hein. Ça a été un bon match. Tu as été alors ça, y a eu les 17 ans. Hein, ouais. Borgo, ça va tenir, tu penses, en route aussi. Après, ils sont dans une poule, il n'y a pas trop de clubs pro, donc ouais. Je pense que ça va. Je suis content, j'espère qu'ils vont y arriver, Borgo, parce qu'ils mettent les moyens. C'est une belle. Comment on a fait, Monaco, un beau staff. Et oui, après, les 19, ils ont fait 2-2. Et il y a eu la réserve, la N3. On va retourner, Anthony, nos dimanches après-midi en réserve. Qu'est-ce qui a été ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication hein, sur la réserve. Oui, mais il fait chaud, c'est l'été, il y avait le match. Ouais, mais je ne sais même pas l'équipe, ils n'ont pas mis, toi, la compo. Tu as vu la compo, toi ? Je ne l'ai pas vu, moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé la compo. Sur Camperem, tu as les feuilles de match. Sur le journal aussi. Faudrait qu'ils communiquent pour savoir un peu, parce que ça va être intéressant aussi à voir. Tu avais les gars qui jouaient, tu avais. Tom, ouais. J'ai même vu qu'à Montpellier, qui a gagné à Corté, il y avait Sacco qui jouait derrière. Non. Capitaine, ouais, Sacco. Et qui a marqué d'ailleurs. Bah, après, il y avait les anciens bleus. Il y avait tout. Pour passer à toute la génération 2017, hein, les jeunes qui étaient en N3 au début avec nous, hein, Sofiane Bell, hein, qui a signé à l'Escale. Il était au Galia. Hein, ils sont en National 2. National 2. C'est quoi le résultat ? Je sais pas. Là il est là-bas, bon c'est bien, j'espère que lui aussi il va suivre un parcours comme toi. J'espère que toi, c'est pas fini encore, il est encore plus jeune que toi en plus là. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Hein. Tu as aussi Jérémy Santini à Orléans là, signé. Pas fini aussi, Jérémy. Ouais, il a joué les deux premiers matchs. Il peut y arriver, il n'y a rien à faire. Oui, je pense qu'à droite, il a le droit, ils sont encore là, il a des qualités, rapide. Il faut pas oublier, hein, ils sont encore là. Hein. C'était tous ceux qui étaient là en 2017, les jeunes, quand on a démarré en 3, ils étaient hein, sur la photo. Appropria, il y a certains en coupe, ils étaient ceux-là. Tiens, le Guillaume Pianet, il est le papa. Guillaume Pianet, qui est en Ligue 1 aussi là-bas, au Canada. Tu fais bien. DAFC Valour, là-bas. Qu'il a la fois tiens contre le derby, je sais pas quoi. Ah, mais tiens, c'est beau, c'est qualité encore, de vie hein. Parce que c'est des beaux pays, hein, le Canada, tout ça, c'est des championnats intéressants. Puis il découvre autre chose. Hein. Il découvre autre chose, le gars, tu sais. Gigi Roquet. Et ce genre, Gigi Roquet, bon, il n'a rien à voir avec 2017, mais il y a Gigi qui revient à Borgo, c'est Borgo. Ouais. Ça, c'est intéressant. 34 ans. Ouais, mais c'est beau. Je préfère voir des gars comme ça. Da Silva qui rejoint Borgo aussi. Ils font une belle équipe d'anciens. Ils mettaient des cadres. Robic à Borgo. Robic qui pourra jouer. Kerbach aussi. Non, c'est impressionnant. C'est le Sporting Abyss, là. Ouais, c'est beau. Ah, je suis content pour eux, tiens. Bon, il y a un déplacement à Grenoble. Hein. Pas de Placide, pas de Ducro, pas de Vincent. Je me suis arrêté à jouer à Grenoble, je vais crever en voiture, c'est vraiment bien. Le prono, ouais, Jean-Marie, c'est toujours toi le prono. C'est toujours toi qui vas donner le prono. Anna. Tu viens sur on va le remarquer, notre premier. Donc, le but de Julien, puis Julien, Dimiatch au chalet sur la place Saint-Nicolas. À la trêve. Alors, on va se quitter sur les. Il y a des viandes à l'oreille, alors. Non. On va se quitter sur les. On te remercie, les remontants, de 30 minutes en voiture, et se rendre à la maison. Je ne connais pas ma voix des fois. Merci à vous. Moi qui suis la Madonna de Flavio, on peut parler de tout.